De Ave César à Wesh gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier, ni pour le meilleur ni pour le pire, non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Oh mon Dieu, et, tout va, bravo, et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes et j'en passe, et que rend ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. Et quand j'apprends que Bunel François lui consacre toute une émission, alors là, pardon, mais je trouve ça formidable. C'est génial, c'est cool, c'est bat, c'est frais, c'est trop stylé, c'est gavé bien, c'est super. Bref, je jubile, je kiffe, je mets Bobby. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie. C'est une histoire pleine de rebondissements mais aussi de polémiques et de débats que nous allons vous raconter ce soir. L'histoire de la langue française depuis ses origines jusqu'à son futur, son avenir. Laurent Deutsch se passionne, vous l'avez vu, pour l'histoire. Après Métronome et Hexagone, Laurent Deutsch part à la recherche de l'origine de la langue française. Il en retrace... Le palpitant destin, avec au passage une foule d'anecdotes brillantes sur l'origine d'expressions et de mots que vous utilisez très certainement tous les jours. À ses côtés, deux linguistes. Bernard Cerchilini se demande si nous vivons une nouvelle guerre des sexes. Eh bien oui, doit-on dire une écrivaine ou une autrice Tiens, bonne question, non Marie Treps, linguiste et sémiologue, raconte, elle, l'histoire des insultes racistes. D'où viennent-elles Comment ont-elles été fabriquées Une fois que nous avons le langage, ben, tout commence, il reste à apprendre. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux lorsque nous apprenons C'est ce que vous dira dans un instant Stanislas De professeur au Collège de France, sans doute le plus grand spécialiste français du cerveau. Et puis, quand vous possédez la langue que vous savez apprendre. Bah, il vous reste à avoir de l'éloquence. Stéphane de Freitas a créé les concours Eloquentia et il viendra vous dire en deuxième partie d'émission de comment porter sa voix. Outil pédagogique très précieux pour celles et ceux qui veulent mieux s'exprimer et donc mieux se connaître. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir les tout premiers invités de cette émission Laurent Deutsch, Bernard Cerculini. Bonsoir Laurent. Bonsoir. bonsoir. Marie bonsoir. Treps. Bonsoir. Et Stanislas Deham. Bonsoir. Venez nous rejoindre. Ah, on kiffe et on jubile. Non, on va kiffer. On sait On va jubiler. Des spécialistes de la langue, du cerveau, mais aussi des historiens, des linguistes, des scientifiques et un comédien, mais surtout des écrivains, moins commun, tous passionnés par la puissance et la force du langage. Euh, Est-ce qu'on a besoin? C'est ça qui vous ressemble à cette grande question. Avons-nous vraiment besoin, je provoque un peu, de connaître l'origine des mots pour bien parler une langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, la langue française par exemple. Bernard Sarkidini, vous qui êtes linguiste, enfin, qui avez aussi œuvré à l'éducation nationale à une époque. Un peu, oui, oui. Bien sûr, il est évident qu'il faut connaître l'histoire de la langue pour euh, connaître le sens des mots, pour ne pas se tromper... Dans leur emploi, et aussi pour n'être pas puriste, pour savoir qu'une langue évolue, bouge, et que c'est une vitalité et une richesse. Ah, c'est intéressant. Alors, il faut savoir l'histoire, si on veut justement ne pas être conservateur. On pourrait penser, au contraire, qu'on euh, est d'emblée du côté, j'allais dire, de ceux qui veulent tout figer si on se réfère à l'histoire. Pas du tout Non, parce qu'on sait que la langue a énormément bougé depuis 842 jusqu'à nos jours, aussi bien la morphologie, la syntaxe, c'est un perpétuel mouvement, c'est aussi une extension mondiale de la langue, c'est une variété envers laquelle il faut être, comme Laurent Deutsch dans son livre, extrêmement bienveillant. C'est une force. Vous trouvez qu'il est bienveillant dans son livre oui, eh ben oui. bienveillant. Euh, la bienveillance est une force. Est-ce que l'histoire consiste à regarder, Laurent Deutsch, le passé, à aller chercher des anecdotes, ou est-ce que ça consiste aussi, en regardant le passé, à nous donner peut-être une loupe projetée vers l'avenir, un télescope pour regarder ce qu'il ce qu y a devant nous ben Moi, je vais me contenter de mon, de mon présent. C'est ce ce déjà qui, pas mal. Ce qui m'intéresse dans, 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 dans mes travaux et dans ma passion au quotidien, c'est euh, de comprendre pourquoi je suis là, euh, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, et, euh, et, de, et de mieux à savourer mon environnement immédiat. Et pour ça, vous avez besoin de l'histoire. Eh ben oui, parce que c'est le mode d'emploi. C'est ce qui nous permet de décrypter. Mmh. C'est ce que j'aime à dire. Au départ, moi, ça a été ma rue, ma ville, mon pays, qui sont des monuments merveilleux qui m'apprennent, euh, qui ont été mes aïeux, et comment j'en suis arrivé là, comment j'ai pu jouir et profiter de ce jardin merveilleux qui s'appelle la France. Pour la langue, c'est pareil. Je me suis rendu compte en, en, me, en me plongeant sur certains mots que j'avais véritablement des monuments dans la bouche. Quoi. Les mots sont des monuments, ils ont une histoire, ils ont un pedigree, et, et ils nous aident à nous renseigner sur nous-mêmes puisqu'ils pénètrent au plus profond de notre intimité pour pouvoir percevoir, appréhender, sentir le monde et, et fabriquer nos jugements, nos jugements articulés. Je pense. Je vais dire une grande phrase, mais on est plus intelligent qu on, on, quand on possède plus de mots, parce qu'on oui. peut saisir plus de nuances, être un petit peu plus précis, etc. Eh Et bien, ces mots ne sont pas vierges. Ils ont une histoire. Et bien souvent, cette histoire, c'est cette histoire, celle de notre identité, nos rencontres, nos métissages. Nos ah, ça couleurs, y a, vous lâchez nos le mot, l'identité. Bien sûr. Est-ce qu'on reprend aujourd'hui, tous ensemble, cette idée qu'après tout, ma patrie, c'est ma langue Vous savez, c'est souvent ce qu'on demandait aux poètes qui s'engageaient en 1914, dans la Première Guerre mondiale, que ce soit Sandra, Aragon, tout, Apollinaire, tous l'ont dit. Ma patrie, c'est ma langue, Marie-Preps. Vous vous retrouvez, vous, dans cette euh, idée que la langue, c'est peut-être aussi notre identité à nous Ah oui, c'est sûr, ça fait partie de notre identité, je dirais. Mais en même temps, euh, moi, je me suis intéressée aux mots, euh, aussi aux mots qui, qui sont venus dans la langue française, des mots étrangers. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que derrière les mots, d'abord, il y a d'autres gens, et il y a toujours des images. Et euh, moi, ce qui me plaît, c'est dans la langue, c'est les images qui sont derrière les mots, qu'on ne perçoit plus quelquefois, et qu'on a envie de, en les redécouvrant, ou qu'on ne peut pas percevoir, ou qu'on ne perçoit pas parce qu'elles viennent d'ailleurs. Mais quand on les connaît, ça redonne aux mots euh, des sens inattendus et quelquefois très justes. On ira chercher tout à l'heure avec vous, notamment, oui. un certain nombre, bien chez Laurent Dodge également, des hein, mots venus d'ailleurs, et puis les images qui permettent parfois de contourner. Ça peut être des stratégies d'évitement, ah bon, et puis ça peut être parfois des belles métaphores, c'est la littérature. Juste une question, est-ce qu'il faut, du coup, parler une langue parfaite Je ne dis pas pure, hein, mais parfaite. Ah. Moi, je dirais, si vous permettez, que quel que soit le niveau de culture euh, de chacun... Et on est sensible et attentif à la dimension esthétique de la langue, qui est quelque chose de très important, mmh. qui ne se voit pas, qui n'apparaît pas, mais avec laquelle on joue sans arrêt et, et dont on se sert aussi, et mmh. dont on tire le meilleur parti. L'esthétique, c'est pas forcément Laurent Daudet. Je vous êtes comédien, vous le savez bien. Hein, l'esthétique, c'est pas forcément la perfection. Il y a dans l'esthétique euh, l'idée de la beauté, la langue parfaite, parler très très bien, le fameux langage Châtier. Euh, on a tendance aussi un peu aujourd'hui à trouver ringard ou démodé. Ouais. Bernard sarkinini. Non, une langue parfaite n'existe pas. Euh, toute langue est composite. Mais une langue soignée, oui. Euh, en son temps, Étienne parlait d'hygiène de la langue. La chose peut, oui. peut me choquer, mais après tout de même qu'on aère son appartement, que l'on ah fait oui. du sport, qu'on fait une toilette, on doit correctement construire ses phrases, bien choisir ses mots, en connaître l'histoire et aussi faire tomber les, les peaux mortes, les... Les injures, les, les termes inconvenants. Donc, une langue dans laquelle on soit bien et pour laquelle on a du soin. Bon, je vais. plutôt qu'une langue soignée. D'accord, pour avoir du soin, c'est pas mal. Prendre soin de la langue et de soi. Mmh. C'est très en... impressionnant hein, oui. de parler face à deux linguistes et sémiologues. Retournez-vous vers, voilà. vers moi, c'est plus simple. <laughs> oui, voisin, voilà. <laughs> c est, c est, non, mais, non, mais c'est vrai. Pour, pas... non, mais pour en prendre soin, il faut justement. ça prouve qu'elle est alimentée. Et si elle est alimentée, c'est qu'elle est dynamique, c'est qu'elle est bouillonnante, c'est qu'elle est truculente. Donc mmh. moi, je n'ai pas peur des néologismes, je n'ai pas peur de ceux qui tordent le cou à cette langue, parce que souvent, ils enfantent une poésie incroyable. Oui. Et la langue est née à la fois de son hygiène, de, son ex... de sa recherche d'excellence, pour surtout pouvoir se situer, savoir où on en est, se standardiser. C'est le passage à l'écrit qui impose là, la norme un peu plus, le code. Mais euh, le poète, le jongleur, c'est aussi lui qui a créé la langue. Et moi, c'est pourquoi dans mon livre, j'ai dédicacé avant tout mon livre à Jamel Debouse, qui a inventé des mots. Et souvent, ça partait d'une lacune. D'un manque de maîtrise, mais il avait une telle beauté dans la perception, il avait une telle astuce, une telle intelligence dans la manière de, 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 de prendre ces mots qu'il ne maîtrisait pas tous, qu'il il, il a, a sauté à pieds joints dans la langue française et il en a fait un, un bouquet de fleurs merveilleux avec des trouvailles qui sont aujourd'hui en passe d'être dans le dictionnaire. Il faut reconnaître qu'il y a du courant. Alors on va le brancher, le courant, et où est-ce qu'on le branche Au cerveau. Allez, on y va, Stanislas Dehaene. On le sait, apprendre, c'est le propre de l'homme. Aujourd'hui, tous les neuroscientifiques, sont d'accord là-dessus. Aucune autre espèce que la nôtre ne possède cette capacité d'apprendre aussi vite. L'apprentissage repose, vous l'avez montré, sur les modifications des circuits de notre cerveau, mais comment ça marche eh oui, Vous vous êtes demandé ça Comment ça marche À quoi ça sert Comment bien apprendre Comment mieux apprendre Voilà un livre absolument passionnant. C'est un livre qui relève de l'enquête autant que du récit, qui relève des neurosciences, mais aussi bien de la psychologie, et puis qui propose une façon très claire d'enseigner. À apprendre. Je rappelle Stanislas Dehaene que vous êtes professeur au Collège de France, euh, que vous y enseignez la psychologie cognitive expérimentale. On vous doit des livres absolument passionnants sur la bosse des maths, euh, sur les neurones de la lecture que vous avez euh, isolés, triturés et, et, et euh, que vous nous racontez. Et puis vous explorez sans relâche ce qui se passe dans notre cerveau quand nous l'allumons, pour reprendre l'expression de Laurent. Euh, C'est très clair quand j'apprends, quand on apprend quelque chose, que se passe-t-il dans mon cerveau alors, euh, c'est vraiment la grande faculté du cerveau humain de se modifier. Et euh, apprendre, c'est la même racine qu'appréhender. Ça veut dire qu'on va internaliser dans notre cerveau une sorte de modèle du monde extérieur. Là, dit, hein, le, le, le scientifique se fait linguiste. Mmh. Ah, euh, un tout petit peu, c'est dans la mesure de mes modestes possibilités, mais apprendre, euh, appréhender. C'est appréhender, donc ça veut dire oui. construire dans notre tête un modèle, par exemple, de la langue. Nous avons tous un modèle de la grammaire d'une langue, un parfait modèle, mais néanmoins suffisant pour euh, simuler des phrases, simuler des phrases dans une langue étrangère aussi. Et la puissance de ces modèles, on le voit très bien, par exemple, lorsque vous rêvez. Hein. Mmh. Euh, vous rêvez, vous êtes... Euh, Allongé, vous êtes seul, et pourtant euh, votre cerveau va générer en lui-même la totalité de ce monde. Qu'on emporte avec nous, alors on commence à le décrypter par imagerie cérébrale et aussi bien sûr au niveau des circuits neuronaux. Et lorsque vous me dites qu'est-ce que c'est qu'apprendre, et eh bien apprendre c'est aussi euh, ajuster les paramètres donc de ce modèle interne qui, in fine, sont la force des synapses, les, les poids des connexions entre nos neurones. Imaginez le cerveau d'un petit bébé, euh, parce que j'insiste beaucoup dans le livre sur, oui, sur l'extraordinaire puissance ouais, hein, ouais, du cerveau des petits enfants. L'apprentissage c'est vraiment la caractéristique euh, des tout petits et euh, c'est un véritable bouillonnement dans le sens très littéral lorsqu'on dit le cerveau est plastique, on l'entend dans un sens vraiment littéral, c'est-à-dire que euh, ces unités qui sont les neurones bougent, elles, euh, les synapses qui relient les neurones euh, entre eux sont mobiles, et euh, c'est de l'ordre de plusieurs millions de synapses qui se font, qui se défont par seconde, lorsque vous regardez un petit enfant. Voilà. Donc, imaginez un ajustement des forces de ces connexions entre les neurones euh, qui se traduit in fine par des changements anatomiques. Dans le laboratoire, on a scanné euh, des personnes qui sont analphabètes, on a pu les comparer avec des personnes qui ont été alphabétisées. Eh bien, on voit l'ensemble des transformations massives qu'introduit euh, l'apprentissage de la lecture euh, dans le cerveau et la scolarisation. Et avec mes collègues, on a identifié en particulier une petite région, dont on avait parlé dans les neurones de la lecture, ouais. qui concentre la connaissance euh, des lettres et des chaînes de lettres. C'est elle qui fait que nous connaissons euh, de façon implicite les racines de la langue française, l'orthographe de la langue française, les structures, et qui fait que lorsque nous voyons un mot en polonais, par exemple, nous disons, bah, ça ne pourrait pas être un mot du français parce que les statistiques des lettres sont pas là. Donc apprendre, c'est compiler des statistiques qui nous permettent d'avoir un modèle interne du monde extérieur. Et vous insistez beaucoup sur les bénéfices de l'apprentissage de la langue lorsqu'on est enfant, apprendre tôt. Vous dites que la plasticité cérébrale à partir de 15-17 ans. Euh, commence à disparaître un peu et l'apprentissage euh, d'une autre langue devient plus compliqué, c'est ça C'est un peu triste parce qu'il y a une courbe effectivement de décroissance des capacités, de perte de cette plasticité piriforme qui n'est pas totale et qui dépend des régions. Alors, il faut comprendre que euh, ça, ça dépend beaucoup du système dans lequel on se situe. Mais dans les systèmes perceptifs, par exemple ceux qui nous permettent d'entendre les sons d'une langue étrangère, de faire la différence que moi je ne fais plus maintenant entre un tas dental et un tas rétroflex qui est utilisé dans les langues indiennes, par exemple, ou ce qui permet à un japonais, euh, ce qui nous permet plutôt de faire la différence entre un R et un L, mais qu'un japonais n'entend plus, c'est que japonais n'entendent pas la différence, je sais pas, entre une élection et une érection. par exemple. Ah bon quand même un peu délicat quand il s'agit de Bill Clinton, par exemple. Euh, bon, mais dites donc, euh, c'est passionnant, eh bien, vous son sur le cerveau, ah, vous voyez, ça, ça mène à tout. Hein. Donc, tout ceci se produit dans la première année de vie. Euh, c'est important parce que quand on parle du langage on a l'impression qu'il euh, faut attendre peut-être la deuxième année la troisième année pour que l'enfant se mette à parler. en réalité il a commencé à apprendre euh, sa langue maternelle et éventuellement une deuxième une troisième langue dès la première année de vie mmh. et ces paramètres des consonnes les voyelles d'abord au bout de six mois et les consonnes se fixent au bout de douze mois euh, dans le cerveau du petit bébé. À Vous de cette ça, le -vous on est fixé non, non, pas du tout. Mais par contre, j'ai constaté malheureusement que c'est beaucoup plus dur d'apprendre une langue passé 30 ans. Ouais, je, je bute ouais. encore sur, sur le hongrois, moi. C'est difficile. Alors, c'est vers la puberté que vous avez perdu cette capacité. Et pourtant, je euh... l'ai très tard. Moi, je, je <laughs> laisse beaucoup des pubertés tardives. Mais bon. Et Il ne faut pas piliers. dire qu'on ne peut pas apprendre des nouveaux mots, bien entendu. Hein. Un lexique, une grammaire, on peut encore l'apprendre à tous les âges de la vie. Donc, la plasticité varie suivant le niveau où on se situe. Dans le cerveau, écrivez-vous quatre piliers pour l'apprentissage. Alors, ça, c'est passionnant. J'aimerais que vous nous les donniez, les quatre oui. piliers, et puis on va les détailler ensuite. Premier pilier Alors, premier pilier, l'attention. Il module euh, ce que nous choisissons euh, de laisser rentrer dans notre espace de travail cérébral. Être euh, attentif. Sans attention, il n'y a pratiquement pas de traitement profond des informations dans le cerveau. Deuxième Donc, pilier, apprendre à être attentif. Deuxième pilier, l'engagement actif. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas être juste passif. On apprend très peu en étant simplement passif et face à un cours magistral. Il faut que l'enfant ou l'apprenant soit engagé en train de générer des hypothèses. Le cerveau fourmille d'hypothèses qui va ensuite sélectionner. Ce qui vous amène au troisième pilier, c'est le rôle de l'erreur. Il faut pouvoir confronter ces modèles au monde extérieur. On fait une prédiction. On s'aperçoit que le cerveau est un système prédictif, anticipe sur le monde extérieur, compare. Euh, la prédiction avec la réalité et la différence, si elle existe, génère un signal d'erreur qui va se propager en retour pour mettre à jour nos modèles mentaux. Et quatrième pédémie qui est donc, très inattendu. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur, en tout cas. Ouais. C'est un point vraiment essentiel et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'erreur qui doit nous corriger et la sanction qui malheureusement souvent accompagne le fait de ne pas réussir à faire une tâche. Et qui nous renvoie à la question de la récompense, mais on va en parler dans un instant. Mais Alors, quatrième pilier. pilier ne pas à le trouver sous la plume d'un neurologue. Il y a la consolidation euh, qui passe par la répétition des apprentissages jour après jour et avec un rôle tout à fait particulier du sommeil. On en parlera mmh. peut-être mmh. parce qu'on le sous-estime, ce sommeil. On considère que notre cerveau se repose à ce moment-là et pas du tout. C'est une découverte très importante, je pense, des neurosciences. Le cerveau travaille pendant le sommeil. Euh, on savait qu'il y avait des ondes de sommeil, mais on sait maintenant que le cerveau répète les apprentissages de la journée pendant le sommeil. Ce qui veut dire qu'il faudrait presque laisser les jeunes dormir. Et puis au moment où les hormones, par exemple, même tardivement pour Laurent Dutch, mmh. se mettent en place, à l'adolescence <laughs> tardive, peut-être yeah. pas commencer les cours à 8 h, mais pour Laurent, 14 h et pour les autres, 10 h30. Il y a une recommandation de l'Académie de pédiatrie, effectivement, parce que chez les adolescents, les cycles de sommeil se décalent. Et on sait bien, hein, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément que de la mauvaise volonté, il peut y en avoir aussi, mais euh, les adolescents ont du mal à aller se coucher et ont du mal à se lever le matin. Et l'expérience a été faite de décaler l'entrée à l'école. Euh, et chez les adolescents qu'on laisse dormir une demi-heure ou une heure de plus avant de rentrer à l'école, eh euh, la réussite scolaire est euh, améliorée. L'une des manières, il y a beaucoup de manières, je pense, dont l'école peut s'adapter à ces connaissances de sciences cognitives que j'essaye d'expliquer. Peut-être peut-on justement revenir sur ces quatre piliers, et commençant par celui de l'attention, si vous voulez bien, car il y a dans votre livre énormément d'expériences que vous proposez euh, et, et que chacun peut faire. Du reste, vous insistez donc sur l'importance de ce premier pilier, l'attention. Alors, je vous propose à tous et à toutes. Euh, une petite expérience collective nous allons tester à la fois votre attention si vous le voulez bien et démontrer qu'il est impossible de faire deux choses en même temps. je voudrais que tous vous regardiez l'écran qui se trouve là derrière moi euh, vous sur le plateau et vous s'il vous plaît derrière votre téléviseur regardez bien voilà deux équipes les noirs et les blancs. bien je voudrais que vous comptiez le nombre de passes exactes que va se faire de l'équipe blanche vous pouvez le faire à voix haute. Le nombre de passes exactes de l'équipe blanche, soyez très attentif. C'est parti. Laurent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16. 16. Vous avez combien, vous 16. Bernard 16 aussi. Ah, Et 16. Marie Moi, bah, j'en ai loupé une, 15. Ah, vous êtes à 15 Oui. Ouais. Mais la vraie question n'est pas là. En fait, avez... ah. ce n'est pas ça qu'il fallait voir. Ah. Non. <laughs> ouais. Mais oui, regardez. Et regardez le... ce qu'il fallait voir. C'est un piège <laughs> Est-ce ah que vous avez vu ce gorille Non, non, il non. Non, n'était pas là. Pas 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 là. là. Alors, vous l'avez pas vu Un gorille qui passe au milieu pas des blancs et des noirs. Qui l'avait vu sur le plateau Bernard J'avais lu le livre, donc euh, je l'ai ah. vu, bien sûr. <laughs> Effectivement, si on n'est pas préparé, euh, c'est une expérience qui est authentique, hein, qui a été réalisée à l'université oui. de Harvard, et beaucoup d'expériences de ce style qui nous montrent que... Euh, Lorsqu'on n'a pas l'attention fixée sur un objet, on ne le voit littéralement pas. C'est-à-dire que l'attention est une sorte de porte d'entrée dans l'espace de travail de notre cerveau, l'espace conscient. Et euh, cet espace de travail ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc en vous concentrant exclusivement sur le fait de compter les passes, eh bien, vous perdez la capacité de prendre conscience euh, de quelque chose d'aussi frappant. Que ce gorille, on peut montrer que vos yeux se sont posés dessus. Alors, ce n'est pas une question de, de vision, c'est vraiment oui. une question de traitement à l'intérieur du cerveau. Alors, j'utilise cette expérience, beaucoup d'autres, pour dire euh, euh, laissons les enfants se concentrer. La manipulation de l'attention est absolument essentielle. Et lorsqu'un enfant vous dit Je ne vois pas, eh bien c'est parfois au sens très littéral. Vous ne concevez pas qu'on puisse ne pas voir tel ou tel concept, tel ou tel objet, mais euh, comme l'expérience vous le montre, on peut très bien ne pas voir des choses qui sont sous nos yeux. Euh, il y a un chapitre passionnant, Stanislas Dehan, sur la curiosité. Être curieux, écrivez-vous, c'est vouloir savoir. Et ça fonctionne grâce à un système de récompense dans le cerveau qui est euh, la dopamine, c'est ça le, le circuit de la dopamine. Hein, voilà. de la dopamine est un circuit très ancien qui existe chez très nombreuses espèces et qui euh, détermine en quelque sorte nos motivations à explorer le monde extérieur. C'est un circuit de la récompense qui va nous encourager à aller chercher la nourriture, des partenaires sexuels, etc. Et chez l'homme a euh, augmenté sa fonction pour inclure une curiosité qu'on peut appeler épistémique, c'est-à-dire une curiosité d'apprendre. Et nous sommes une espèce tout à fait particulière de ce point de vue-là. Nous avons une période d'apprentissage extrêmement longue et ce système de curiosité nous oriente vers tout ce que nous ne savons pas en réalité. Il nous oriente vers des domaines dans lesquels nous pensons que nous pouvons apprendre. Mmh. Alors l'espèce humaine va jusqu'à être curieuse, euh, par exemple, de l'astronomie, euh, ce qui n'a aucun intérêt pratique évidemment pour la survie de notre, notre espèce, mais euh, c'est cette euh, capacité de créer des modèles scientifiques du monde extérieur qui a permis à notre espèce de quitter l'Afrique, d'envahir la planète tout entière, d'aller sur la Lune. Euh, c'est le succès de notre espèce. Est lié au fait qu'on n'a plus vraiment de niche géographique, contrairement à toutes les autres espèces animales, mais on a une niche euh, intellectuelle, une niche mentale, c'est la capacité euh, de faire sens du monde extérieur. Et ceci, je répète, dès la toute petite enfance, je dis que le, le bébé est un scientifique en herbe. Le bébé se comporte comme quelqu'un qui fait des expériences pour comprendre le monde extérieur. Mais alors, pour quelle raison euh, venez-vous si souvent sur le bébé On a le sentiment que l'enjeu de votre travail euh, de neuroscientifique, c'est de vous intéresser au langage, de vous intéresser à l'éducation. Oui. Est-ce que l'on pourrait. Dire que l'enjeu c'est de refonder l'éducation nationale, même sur les principes de la biologie cognitive. Moi, si j'irais jusque-là, parce que la, la science est encore modeste, mais j'ai écrit ce livre avec l'idée qu'il y avait quand même énormément de données qui étaient disponibles maintenant. On commence à comprendre cette machine extraordinaire qu'est mmh. le cerveau, et euh, effectivement, ces données me semblent euh, suffisantes déjà pour former une sorte de corpus que euh, les. Euh, enseignants, les parents aussi euh, devraient connaître. Et en fait, euh, chacun d'entre nous, on doit apprendre à apprendre. On utilise cet organe magnifique qu'est le cerveau de façon intuitive, mais on n'a jamais vraiment appris à apprendre. Et il y a un certain nombre d'astuces, comme les manipulations de l'attention, la manipulation du sommeil, euh, qu'on peut faire volontairement, qu'on peut apprendre mm -hmm. à faire, qui vont maximiser cette capacité d'apprendre. Apprendre à apprendre, Bernard Sarkilini, c'est quand même ça aussi, hein, l'enjeu, demain, pour apprendre les langues, pour apprendre notre langue et pour, pour l'école, une des grandes vertus de, de cet ouvrage, c'est de ruiner la fausse opposition entre les, les pédagogues et, et les savants. Mmh. Vous le montrez, la grande pédagogie depuis Piaget jusqu'à mmh. vous, elle est fondée sur des savoirs solides, expérimentaux. Mmh. Et, et on en tire de, de ces une admiration accrue pour l'école maternelle où l'enfant joue, mmh. où l'enfant met en œuvre sa curiosité, mmh. son désir d'apprendre, libido scandi, on disait au, au Moyen-Âge, pour maîtriser des savoirs, et des informations. Mmh. C'est tout ce jeu de, de l'école maternelle française qui est brillante car elle est fondée sur des savoirs et des intentions pédagogiques claires. Alors je ne vais pas prétendre non plus... Euh Apprendre aux enseignants ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis un scientifique de laboratoire. J'essaie d'expliquer un certain nombre de principes d'organisation du cerveau, ces, ces fameux piliers ou ces grands principes. Mmh. Et je pense qu'il y a encore un travail considérable à mener en lien avec l'éducation nationale pour transformer ces idées scientifiques en réalité à l'école. Les enseignants Alors, font des bah, extrêmement difficiles. Ça, c'est un autre chapitre. Euh, et, euh, Alors, donc, j'espère quelques fait. pistes. Il y, a, il y a des pistes réelles. Par exemple, il a été montré qu'une classe qui est trop décorée euh, agit comme le film qu'on a vu tout à l'heure, distrait les enfants et. Ouais. Dans une certaine mesure, les empêche d'apprendre. Donc, il y, a, il y a des conséquences concrètes. Et puis, il y a des conséquences également sur la langue, puisqu'on parlait tout à l'heure de la langue française qui nous réunit aujourd'hui. Euh, vous suggérez que un cerveau bilingue, qui connaîtrait très bien son propre langage, sa propre langue, mais aussi une autre langue, résisterait mieux à la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a des données épidémiologiques qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que, euh, bon, dès le début de la vie, hein, lorsqu'on apprend une seconde langue, en fait, on raffine euh, les réseaux cérébraux euh, du langage, on le voit dans le cerveau. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les personnes qui oublient leur première langue. Vous savez, on a étudié des, des personnes qui sont adoptées. Donc, euh, dans notre cas, c'était des adoptés euh, coréens qui sont adoptés dans une famille française. Ils ont vécu cinq ans, 7 ans, jusqu'à 9 ans. Euh, dans euh, la langue coréenne, et puis euh, elle n'est plus pratiquée autour d'eux. Ils l'oublient, mais leur cerveau conserve une trace de cet apprentissage précoce, et on peut le retrouver par la suite. Alors le bilinguisme, effectivement, euh, conduit à une sorte d'expansion des réseaux cérébraux, euh, un redoublement, un triplement peut-être si on maîtrise trois langues, et ce n'est pas difficile du tout pour les petits-enfants. Et effectivement, dans les euh, années de la vieillesse, euh, va, dans une certaine mesure, protéger euh, de l'arrivée des premiers symptômes des maladies euh, neurodégénératives. Voilà, il y a énormément de pistes dans ce livre. Apprendre, point d'exclamation, les talents du cerveau, le défi des machines. Vous parlez bien évidemment de l'intelligence artificielle. Vous nous rassurez abondamment sur les incompétences des machines et les grandes compétences, pas encore totalement euh, détaillées euh, du, de l'homme. Homo docens, ce n'est pas Homo sapiens, celui qui veut apprendre. C'est aux éditions Odile. Jacob. Alors évidemment, une fois que j'ai appris, je me demande quelle est mon histoire. Laurent Deutsch. Et voici un voyage sur les traces de la langue française. Remontons avec vous à la source. On découvre, du coup, d'où vient notre langue, quel rôle les, les invasions et puis les migrations ont joué. Comment l'usage populaire a pu imposer des nouveaux mots. Les anecdotes et les histoires sont absolument Étonnante. Elles sont légion dans ce livre qui s'intitule Romanesque et qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Alors, Laurent Deutsch, vous êtes comédien, on vous sait passionné par l'histoire de France, vous avez publié deux livres qui ont rencontré de très grands succès, euh, Hexagone puis, et Métronome. Euh, L'amour des mots, lui, d'où vous vient-il L'amour de l'histoire, on l'a compris, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais les mots, le jeu avec la langue mais ça, ça participe de la même gourmandise, de la même curiosité, quoi. C'est par exemple, je sais pas si on, des fois on s'entraîne à répéter dix fois un mot à la suite et on ne sait plus trop ce qu'il veut dire. On n'arrive même plus à ouais. le saisir. Si vous répétez par exemple plomb, plomb dix fois, tout d'un coup plomb, on ne sait plus trop ce que c'est. Et, et du coup, moi je me suis posé des questions simples à savoir, mais pourquoi on dit oui quand on dit oui Il vient d'où ce oui Un mot aussi bête et, et, et oui et, et ben, ça veut dire oui, c'est l'affirmatif. Mais d'où ça vient quoi Comment on en est arrivé à dire oui Et c'est là que je me suis rendu compte et je suis désolé pour tous ceux qui aiment Astérix, mais il faut tout reprendre depuis le début, il faut recommencer la lecture. Le héros, c'est le méchant pour nous les français notre notre ce ouais. c'est pas le gaulois bah, c'est le latin oh, en tout cas pour la langue pour la langue pour la, langue. Pour la langue française imparable ouais. on parle <laughs> à 80% latin c'est euh, Astérix, il comprendrait, s'il était là, il aurait déjà commencé à s'énerver, il aurait cassé trois ou quatre fauteuils et il nous aurait pété la figure. Hein, il, il aurait vu l'envahisseur, il aurait vu les ouais, Romains. Ouais. C'est ça qui est passionnant, c'est que le voilà, le oui, qui se dit pas de la même manière suivant qu'on soit au nord de la Loire ou au sud de la Loire. Donc pour un mot aussi bête que oui, c'est déjà pas pareil en fonction de là où on habite. Je me dis forcément, le reste doit être passionnant. Je me suis plongé dans cette histoire de la langue française pour faire un espèce d'état des lieux siècle après siècle, à la manière de mon travail avec Métronome. Je fais mmh, mmh. Un, un siècle par. Euh, par chapitre. Où je vous explique qu'est-ce eh qu qu'on parlait, comment on parlait, qui parlait quoi, le latin, le gaulois, un espèce de latin dénaturé qui commence à virer vers le roman. Comment Charlemagne a été effrayé. Finalement, c'est lui qui a littéralement fait l'acte de naissance du roman puisqu'il a dit <laughs> arrêtez, vous parlez super mal, on va se remettre au latin là, parce que là, on comprend plus. Et parce qu'en lui, en plus, il était allemand, donc il savait plus où il en était. Et donc, en imposant le retour au latin, il a montré à quel point on s'en était éloigné oui. pour aller vers le romanesque, enfin, vers le roman, qui pour moi est ce voyage romanesque parce que c'est l'histoire de notre langue qui, à l'image de votre prénom François. Est libre et saute par la loi, saute par les codes, et bouillonnante et dynamique. Oui. Le prénom, j'ai appris d'ailleurs en vous lisant ce que signifiait le prénom François. Eh oui. L'homme indomptable. Ah eh oui, l'homme libre, indomptable. C'est tout à fait vous. J'adore. Quand vous écoutez Bernard Cerchilini, vous qui êtes linguiste très sérieux, qui avez travaillé dans plusieurs ministères, la culture, mais aussi euh, l'éducation nationale, la francophonie, qui continuait à nous donner une jolie euh, chronique sur TV5 Monde sur la langue française, vous entendez. Un personnage passionné, mais qui est un petit peu en dehors des rails. Moi, j'aime beaucoup. Le livre. Vous Moi aussi. Le livre est un peu en dehors des rails. Comment réagissez-vous ours, ours, fort, ours fort va répondre. Oui, Bernard. <laughs> a ours fort, Bernard, bien sûr. Oui. Non, non, je suis passionné. C'est un très beau livre qui se lit. Romanès se lit comme une épopée. C'est l'histoire d'un héros qui vient de nulle part, du latin très, 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 très vulgaire, et qui est devenu une figure mondiale de culture et, et de science. Et c'est raconté avec. Beaucoup de, de vigueur, c'est très drôle et, et, et très solide et très amusant. Je voudrais prendre quelques exemples parce que. Alors, et on va revenir à ce gaulois qui, malheureusement, n'est pas notre langue française. Sauf que, sauf que, Laurent je trouve tout de même des mots venus du gaulois et que nous employons tous les jours. Voilà un mot que vous employez tous les jours. Regardez, budget, par exemple. Mmh. Budget. Est un mot gaulois, Eh oui, parce que là je me suis amusé, je me suis intéressé aux anglicismes, la bougette, la... qui vient de la bougette, qui était la petite poche contre un balai autrefois. Ça vient de Boulga, le, gra... le, le gaulois, et c'était une petite poche, une petite porte-monnaie dans lequel on mettait des choses euh, comme une aumônière, quoi. Mm. Et euh, ça a donné budget. Alors évidemment, moi, comme tout le monde, j'étais le premier à me dire, et eh, encore un mot anglais, budget, <laughs> gadget, et eh, gadget, encore un mot anglais, pas du tout. Gadget, ça vient de l'entreprise Gaget qui fabriquait des petites répliques de la, de la tour Eiffel de la statue de la liberté, pardon, quand ils ont fabriqué la statue de la liberté. Donc même, gadget est un mot euh, d'origine française, puisque c'est c'est un. C'est un, un, un nom de famille, un patronyme. Et, et c'est plein de surprises comme ça. Et, et ça bon, rassure et, de et voir. Challenge. Et, cha et challenge. Et Challenge. Challenge. Anglais, challenge. Que tout le monde prononce challenge. Ouais. C'est français. latin, Columniare, d'ailleurs, si un français, challenge, le défi. Exactement. Il faudrait dire challenge. Vintage? Ça vient de vendange, vendange tardive, <laughs> quelque chose de vintage, ben c'est en fait un millésime. Management, ouais, a ouais. tous les mots en et en yon, de toute façon, c'est français. Les angliches qui disent qu'ils sont en train de pénétrer de la langue française, c'est pas vrai, même sur leur drapeau. Regardez, on y soit qui mal y pense, Dieu est mon droit. Ils ont causé pendant 500 ans français, les anglais. Alors Donc vous anglais soupçonne peut être quand, quand même, hey, qu c'est du français finalement. Les Lémanceau disaient, l'anglais, c'est du français mal prononcé. Et alors, ce, vous savez, vous savez ça, ce passage par le, de l'anglais au français, du français à l'anglais, a conduit parfois à des déformations, parce qu'en fait, il y a le filtre du cerveau, justement, d'une personne qui ne parle pas bien la langue. Oui. Donc, un exemple classique, c'est le mot « napron » qui a donné Apron. Ce n'est pas tout à fait le même sens, mais parce qu'un apprend, un apprend, un apprend, un, un Apron. Et on a laissé tomber la, la première consonne, N, euh, en pensant qu'elle appartenait à l'article plutôt que nom. Donc le, le, le cerveau filtre l'information, et d'une génération à l'autre, on peut comprendre une partie de ces, de ces déformations successives. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui voulons, c'est le cerveau qui agit à notre place, en réalité, et qui nous fait agir et qui nous fait oublier. Et nous euh, sommes un notre cerveau, bien entendu. Mais oui. donc un petit enfant qui dit un avion, ah, le navion, navion », c'est exactement ouais. le même phénomène de liaison qui est en jeu ici. Et d'où le fait que, par moments, moment, nos, nos ancêtres ont eu des vrais conflits avec ces fameuses liaisons, avec ces fameux mots. Le, le problème qu'on a tous avec le H, qu'on ne sait pas s'il ah oui. s'accorde, mmh. si on dit euh, les haricots, d'ailleurs aujourd'hui, je suis... H crois aspiré, aspiré ou pas Oui, voilà, le, droit, le fameux ouais. H aspiré. Qui... Vous vous dites, c'est d'origine franque. Oui, c'est franc. Le H était une consonne comme une autre, comme le hund ou le her chez les Anglais. Ça se prononçait. Donc oui. les Germains, ils sont arrivés, dès qu'ils ont vu des H, ou ils en ont même mis parce qu'ils avaient tendance à aspirer, parce que c'était des mots à consonance germanique, d'origine germanique, comme la hanche, le hachoir, ou des choses comme ça. Mais ah, par mais... contre, quand on était latin, là, il n'y avait pas de H. Donc on faisait les hommes, les honneurs, les hélices, parce que là, c'était des mots qui étaient plutôt des mots usités par les Latins. Et voilà, aujourd'hui, ce conflit entre la liaison dangereuse est dû au fait que nos ancêtres sont à la fois germaniques, latins, gaulois, et après, ça s'est habillé de toutes sortes avec de l'arabe, du Breton langlo Saxon et tout ça a donné euh, euh, une recette qu'on disait en, en préambule merveilleuse le français. Et, et votre livre pose une question très intéressante qui est celle de l'orthographe. Parce qu'après, on a une orthographe, il faut quand même le savoir, qui est l'une des plus compliquées euh, du monde, en tout cas du monde euh, alphabétique, des, des langues alphabétiques. L'anglais est la pire, hein. euh, le français est la pire dans le sens euh, des sons. Vers l'écrit, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de dicter, ce qui est d'ailleurs une activité qu'on est obligé de faire à l'école, parce que euh, c'est là qu'il y a le plus d'irrégularité. Il y a aussi beaucoup d'irrégularité dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'on voit l'écrit, est-ce eh qu'on peut en déduire euh, le son Notre langue est la deuxième pire des langues européennes. Et quand je dis pire, c'est dans un sens extrêmement précis, c'est qu'on a des données sur l'acquisition de la lecture euh, chez les enfants, et eh bien ces irrégularités qui sont le reflet de notre histoire hein, se traduisent directement par des mois et voire des années supplémentaires d'apprentissage chez l'enfant, et aussi la de cette fameuse région qui est associée à la lecture, qui est plus importante sans doute parce qu'il y a plus d'informations à caser en quelque sorte hein, dans euh, les langues alphabétiques irrégulières comme le sont l'anglais et le français. Euh, les oui. heureux italiens qui ont une langue extrêmement transparente n'ont pas besoin de, de tout savoir et ont besoin d'un temps d'apprentissage beaucoup plus court. Et eh ben voilà pour le chapitre additionnel euh, pour la prochaine édition augmentée. Il y, y a énormément de choses qu'on apprend. Euh, là on a parlé des langues. Euh, Qu'est-ce que la petite verge ah, bah la petite verge Ah, comment ça Oui, qu'est-ce ah bah, qu que assez la drôle. petite verge J'apprends ce qu'est la petite verge La petite verge bah, <laughs> C'est assez drôle, c'est la ponctuation, oui, c'est la petite euh, la virgule. virgule. C'est pas vous qui l'appelez comme ça Ah, bah moi je l'appelle plus comme ça, mais c'était. Mais vous savez comment on appelait les pêcheurs à la ligne autrefois euh, C'est un édit de Philippe Auguste qui avait. Euh, comment on fait la différence entre les pêcheurs au filet, qu'il qu qu appelait les pêcheurs à engin, et les pêcheurs à la ligne qui s'appelaient les pêcheurs à verge il y avait une, y a une loi qui est passée sous Philippe Auguste pour dire, c'était la canne à pêche, on disait la verge autrefois. Ça, ça... Au, au Québec encore, hein on dit encore la, la verge. verge on... C'est une mesure de, de longueur. Hein c'était la, la canne. On pense qu'il y a des choses qu'on a inventées. On est persuadé que depuis Bill Gates et Mark Zuckerberg, notre civilisation est devenue plus intelligente, plus rapide, plus efficace. Par exemple, quand vous envoyez un email, vous faites at hein. Qui a inventé l'@ D'où ça vient ah bah, c'est quelque chose qui était déjà du Moyen Âge oui. puisque c'était la mesure constante on, qui tend vers c'est-à-dire euh, le hâte c'est littéralement ce qu'on prononce d'ailleurs c'est le hât latin okay. aller vers la direction donc c'est vraiment un d entrelacé d'un a et c'est devenu une euh, pour les marchands un, un prix constant sur la journée sur les marchés. Et je crois qu'à l'origine c'est un mot arabe mmh. qui est aroub", qui est le car parce que là encore c'était un, une donnée marchande. Et au 19e siècle mmh. dans les machines à écrire on a remis cette euh, ce, ce petit signe cette petite analytique, mais qui s'est perdue. Et donc quand on a inventé euh, le, le, les adresses mail dans, au début des, du 20e enfin au milieu du XXe siècle il cherchait le gars qui cherchait euh, un, un truc un peu un peu un peu libre pour la pour, pour se l'approprier pour le et pour s'en servir comme d'une lettre. Typiquement employé pour les adresses mail, s'est servi de cette, euh, cette lettre qui était beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Et le had latin est devenu le had anglais. Bah, D'ailleurs, on est, le dit, c'est ouais. malin. Vous voyez l'intérêt de connaître l'histoire de la langue Eh oui, <laughs> bien sûr. Alors il y a un autre intérêt que euh, tous les plus jeunes vont trouver formidable. Vous allez apprendre en lisant le livre de Laurent Deutsch et euh, sous le regard de, de linguistes, Marie Treps et Bernard Cerchilini, d'où vient le doigt d'honneur non. Ben alors, je, je me suis servi de la guerre de 100 ans pour raconter l'histoire des archers. Ceci est un émoji, je vous préviens. Ça fait partie maintenant de l'alphabet, presque. Mais comme les, les Anglais ont été supérieurs aux Français pendant 100, 116 ans à cause de leur archer qui dégommait la chevalerie française de très très loin, oui. dès que les, les Anglais étaient un peu protégés, ils allaient dans les châteaux et ils faisaient lever de la victoire ou le doigt d'honneur pour bien montrer qu'ils avaient leurs leur le mains capables de bander l'arc. Et donc, le doigt d'honneur euh, était utilisé à cette période-là pour, euh, pour, pour se moquer des Français, pour les insulter, pour leur dire, attention, on a encore nos, 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 nos doigts valides et on va vous défoncer. Mais on sait aujourd'hui que on dès rac vous qu On racontait également qu'on coupait... Ah, bah oui, les Français, c'est pour ça qu'ils le montraient le doigt. sur le château. Parce que dès qu'on récupérait un que... anglais, on lui coupait les doigts pour plus qu'il puisse utiliser son arc. Donc quand il vous fait un, vous tendez un doigt d'honneur, c'est qu'il était encore euh, libre et il avait un pouvoir de nuisance. Mmh. Mais c'est quelque chose qui datait déjà dès l'Antiquité. Mmh. Je crois que c'est Aristophane ou, qui, qui l'emploie comme le doigt de la honte ou le doigt honteux, mmh. ou, euh, dès le 5e siècle avant notre ère. Hein. Malheureusement, cette pratique ne date pas d'hier. Mmh. Laurent Deutsch, euh, qui est ce saint? n'est pas au calendrier et pourtant dans nos expressions courantes glinglin, ah, mais ça, le saint glinglin ou saint glinglin. -Glin. Ben, autrefois, on se repérait non pas avec euh, des montres, hein, euh, mais avec euh, les cloches. Et euh, les fêtes des saints, c'est-à-dire que quand vous vouliez aller tel ou tel endroit, vous disiez ben bah voilà, je vais y aller pour le 11 novembre. Le 11 novembre, on ne savait pas ce que c'était, donc on disait à la Saint Martin. Donc on disait tel ou tel saint qui étaient des références dans l'année qui permettaient de se repérer. Et la saint glinglin -Glin, quand on, par exemple on voulez pas rembourser quelque chose, et eh ben on disait bah, je te rembourserai à la saint glinglin -Glin. Et Glinglin, -Glin, en fait, c'est l'ancien mot, c'est un mot allemand qui est Klingen, qui est sonné, qui est la cloche. Et le saint c'est la cloche, S-E-I-N-G en fait. La Saint-Clinglin quand ça sonnera. Euh, voilà. ouais. Euh, on Il bon, ça, ça y a énormément de choses, évidemment. Alors on pourrait euh, s'amuser à s'arrêter à chaque période, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, 842, c'est-à-dire le serment de Strasbourg, premier, et, texte euh, français, après, bien sûr. premier texte en français. Et dans toute, une, toute langue romane, le, le français est extrêmement précoce. Il faut expliquer cette énigme, mais vous l'expliquez bien. C'est-à-dire qu'on a, on a grâce à l'Empire carolingien, au, au développement des, des études et aussi à la distance que le français a pris par rapport au latin restauré, mmh. on a un espace qui s'ouvre et quel est l'espace de l'écrit. – Grâce au germains aussi, puisque le Grâce germain va accéder à un statut de langue à part entière, langue germanique, langue de l'empereur, par rapport aux romains, au latin qui est vraiment la langue de l'église, donc c'est la langue un peu, de ces, je résume un peu, mais de ces deux grosses tutelles du, de la féodalité, à savoir l'empereur, le grand seigneur et, et, et l'église, et, et donc les germains vont vouloir que leur langue tudesque et les honneurs, donc on a commencé à créer des, des glossaires, le, glos, oui. le glossaire de Cassel, de reichenau pour dire, voilà, bah, le, le latin-germain, pour une être grammaire, à la même, peut-être, pour… Charlemagne a sans doute fait rédiger une grammaire de Tudesque. – Voilà, et donc on a fait la même chose pour les romans, parce que Charlemagne s'est rendu compte que, bah, à l'ouest de son empire, ça causait pas du tout Tudesque, plus du tout latin non plus, et donc, j'ai envie de dire que le roman, le français, a suivi euh, la volonté d'affranchissement du Tudesque par rapport au latin. – Ce qui me frappe, Laurent Deutsch, en lisant votre livre, c'est que vous concevez l'histoire de la langue française presque comme une géopolitique, c'est-à-dire comme le résultat… – Ce pas autre chose. – La résultante des forces de guerre, euh, d'ambition et d'intérêt, que... de récompense, hein, Bernard, oui, pardon, ah, je, je monopolise la parole. Oui, non. non, je vous en prie. Il ne pas finir que, la question, mais que, c'est pas grave. Je crois qu'il est écrit, celui-là, je connais toutes les réponses. Oui. Mais, euh, <laughs> non, mais comme dirait Bernard, les, les linguistes disent qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Et c'est clairement ça. Qu'est-ce qui fait euh, Capet, même Louis, quand il décide de s'appeler Louis, là, Louis le Pieux Pourquoi il ne s'appelle pas Clovis hum. ben, C'est ce qui prouve aux Allemands que la, la Francie occidentale, c'est plus la Francie orientale. Dégagez le Saint-Empire, la dégagez. Non, 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 nous, maintenant, je ne m'appelle pas Clovis ou Clodovic, tout ce que vous voulez, je m'appelle Ludovicus. Louis, c'est un prénom roman. Et donc, la langue romane va s'affranchir, va vouloir dire aux au, au Tudesques et au latin. ici, il y a un territoire qui va commencer à être autonome, qui va commencer à avoir, être indépendant, c'est la langue. Et la langue va toujours être marqueur de volonté d'affranchissement. Tantôt extérieur pour s'affranchir des anciennes tutelles féodales, on en a parlé Rome pour l'Église, le latin et l'Empire, les Germains pour, 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 pour le, le, les héritiers de Charlemagne, mais aussi le, le peuple, le petit peuple. Si tout d'un coup on se met à parler français, le petit peuple il est très content mais il dit bah alors d'où tu tiens ton pouvoir si t'es plus référent de Dieu et de l'allemand puisque tu parles la même langue que moi, on est, on est égaux et tout d'un coup arrivent les romans, arrive notamment le roman de Renard. Qui est un, un, un roman que, que soutient très fortement la bourgeoisie, parce que c'est la naissance, en quelque sorte, d'une manière embryonnaire, du tiers-état, qui par rapport à cette ancienne société figée du, du, de, de la féodalité, euh, le noble qui combat et qui prend tout le pognon, l'évêque qui ne combat pas mais qui prend tout le pognon quand même, et le paysan qui ne tout le c'est que ce n'est pas du tout, tout réducteur ni idéologique euh, comme, comme, comme lecture de l'histoire. Non, mais je, je schématise, mais c'est un peu ça. Ah bon tout d'un coup, il y a le bourgeois ah qui arrive euh... dans cette société figée et qui dit Mais bah, moi aussi, j'ai le droit d'exister. Et, ouais. et bien, moi, je vais en censer de Renard et je vais vous montrer qu'on Attendez, pause, je peux pour <laughs> rassurer françois ça se lit beaucoup moins vite <laughs> il est passionnant et passionné oui, non, je voulais dire les racines de ce que vous décrivez, c'est-à-dire le fait que on a le sentiment que notre langue nous définit et aussi par rapport aux autres et parfois nous oppose à d'autres pays, sont des racines très anciennes. Et si je puis me permettre, dans le cerveau du, du petit enfant, il y a des expériences tout à fait intéressantes qui regardent euh, quand est-ce qu'un enfant va se sentir affilié avec une autre personne. Est-ce que c'est sur la base euh, de la, la couleur de peau, par exemple, ou de son âge ou de sa langue? Et donc, on, on présente à l'enfant deux personnes une personne qui parle sa langue maternelle, une personne qui parle une autre langue. Et bien... Deux Dès Le plus jeune âge, les premiers mois de la vie, l'enfant va préférer la, la personne langue. qui parle euh, sa langue maternelle. C'est le critère le plus important. Et, et c'est un apprentissage qui commence in utero. C'est-à-dire qu'en ah, réalité, oui. dès la naissance, l'enfant a déjà enregistré in utero la mélodie de sa langue, ce qu'on appelle la prosodie, hein, qui est la seule information qui passe en fait à travers la paroi de l'utérus. Donc l'enfant le, est déjà, euh, le bébé, le fœtus est déjà en train d'apprendre dans le dernier trimestre de la grossesse. Stanislas, vous êtes en train de résumer l'ambition de mon oui. livre. Et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que plus que tout le reste, la religion, la race, la couleur de mmh. peau, mmh. l'identité, c'est notre langue Absolument. et notre géographie. Et c'est quelque chose de généreux, mmh. c'est quelque chose d'accueillant, de, de, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, positif. Pourquoi ne pas euh, comment imposer Là, en ce moment, il y a un débat sur l'apprentissage la, des langues à l'école. Mmh. Et moi, je soutiens le fait que apprenons aux enfants avant tout déjà à bien parler français, mais surtout à connaître l'histoire de cette langue-là. Mmh. Et ils verront qu'ils sont tous convoqués. D'où qu'ils viennent. Oui, mais il faut apprendre plusieurs langue, ah, ouais, langues. C'est peut-être ça C'est un question que l'on peut acquérir. On peut être d'origine hongroise ou italienne, et puis oui. la famille arrive, elle apprend le français, elle devient française. C'est très sans, important. Et sans oublier, évidemment, le fait de pouvoir avoir deux, deux langues, une autre langue d'origine, parce que tout d'un coup, tout ça va aider et œuvrer à la, à, comment, au dynamisme du français, qui en a besoin, qui le réclame et qui en fera son beurre pour faire le français de demain. Romanesque, la folle aventure de la langue française. C'est aux éditions Michel Laffont. Le livre vient de paraître sous la signature de Laurent Deutsch. Alors, justement, tiens, puisqu'on est sur cette question de l'identité euh, définie par la langue, on est français parce qu'on parle français. Écrivez-vous à un moment. Allons-y continuons sur la langue française et regardons non plus dans le rétroviseur même si c'est très important, mais juste devant nous et qu'est- ce qu'on a juste devant nous Des débats alors c'est vrai qu'on s'est toujours étripé sur la façon dont il fallait écrire sur ce que devait être la langue française, ce qu'elle doit évoluer, est- ce qu'elle doit se figer? mais la bataille porte aujourd'hui sur la féminisation de la langue française. Question n'est pas nouvelle. Mais avouez que jamais les crispations n'avaient été aussi fortes qu'aujourd'hui. Euh, le mouvement est en marche, soit, mais comment est-il né Jusqu'où peut-il aller Eh bien, Bernard Cerchilini raconte avec euh, beaucoup d'érudition et beaucoup d'humour aussi mmh. l'irruption du féminin dans la langue française. Mmh. Et ça commence il y a déjà bien longtemps, figurez-vous, dès le Moyen-Âge. Est-ce que nous assistons, Bernard Cerchilini, à une euh, nouvelle guerre des sexes ou à une nouvelle querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire des réacs et des progressistes Deux choses. D'abord, on s'est toujours querellé au sujet du français. Toujours. C'est une, je dirais, c'est une, une langue querelle. D'accord, la, C'est pas une raison pour que ça continue. Euh, c'est une raison. Continuons. On, on, il y a, la semaine dernière, on, on a commencé à s'étriper sur la réforme de l'accord du participe passé, la féminisation, l'orthographe, il y a quelques oui. années. Euh, vous savez, le premier texte écrit en français sur la langue française, donc le premier ouvrage sur la, la langue, euh, vous le citez, c'est le pamphlet de, de Louis Maigret, euh, qui est, est un pamphlet sur la, contre l'orthographe traditionnelle. Donc on l'a on a fait continuellement. C'est beaucoup plus vif pour la féminisation, car on a là quelque chose qui est naturel dans la langue. Mmh. Le Moyen Âge. Féminiser, ah, c'est naturel dans la langue oh Oui, tout à fait. C'est conforme à l'histoire de la langue, mmh. à son génie propre. On a la morphologie pour cela. C'est socialement tout à fait juste. C'est un changement linguistique qui s'est fait de façon très aisée au Québec, en Belgique. En vous montrez, montrez d'ailleurs que, que le Québec, la Belgique et la Suisse parlent le français de manière plus progressiste que nous. Mmh. Oui, on peut le dire. Et que en France, l'institution chargée de. Du magistère de la langue a freiné pendant une trentaine d'années. Bon, alors attendez, Si c'est le sens de l'histoire, oui. comment expliquez-vous qu'il y ait, je reviens à cette fameuse querelle ancien-moderne, mais on le voit aujourd'hui tout à l'heure. Laurent parlait d'identité nationale. Je suis. On est ravis de regarder son visage. J'ai parlé d'identité tout court. Oui, d'identité. – nationale fera... c'est devenue à un à tel marqueur idéologique. Non, mais attendez, euh, Je parle d'identité. Identité, identité moi, heureuse quand je oui. vois. Ah mais c'est formidable. Pas malheureuse. On a de la chance d'être en France. On a de la Pour chance. Quelle raison, justement, si c'est le sens de l'histoire? Y a-t-il le débat mais Parce qu'ils sont trop respectueux vis-à-vis -vis de Vosgelat. C'est voilà. Vosgelat qui a imposé le, la masculinisation de tout ça. Ce qu'il qu faut bien voir, c'est que s'il y a une langue qui ne s'est pas développée par elle-même, mais qui a été corsotée, qui a été réglementée, de façon positive d'ailleurs, puisque ça donnait une syntaxe admirable, c'est le français. Depuis le XVIIe siècle, nous avons une tradition grammaticale, beaucoup de grammaire, de dictionnaire, mmh. et un amour de la norme qui fait que nous hésitons a changé, a quitté quelque peu. La semaine dernière encore, j'ai entendu quelqu'un de bonne foi qui me disait :« Une ministre, ce n'est pas très joli. Mmh. » oui, hein, Il y a un sentiment esthétique qui existe quand même et qu'on ne peut pas nier, et que chacun trouvera toujours que tel mot féminisé telle et telle manière lui convient pas, qu'il n'est oui. pas joli. Oui. C'est inévitable ça. Oui. Mais c'est vrai, vous avez raison, la langue française, elle est très surveillée. Mais c'est plus qu'une hésitation, toujours... si vous me permettez. C'est un blocage là. Ah, c'est un blocage. Oui, c'est oui, un, un blocage. blocage Est-ce mais... que vous avez le sentiment, marie peut-être que, que c'est le tiendra. reflet aussi euh, d'une difficulté à établir une parité homme-femme Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois qu'il y a ce, ce blocage de. Il faut, si vous voulez, là, c'est des mots nouveaux qui apparaissent et qui ne sont pas vraiment nouveaux, puisqu'on les employait simplement, on les transforme. Il faut que l'oreille et, et l'œil soient contents aussi. Parce que c'est ça qui est perturbant c'est que. Bah, L'oreille, surtout l'oreille est... peut, peut être. Alors là, là, on est au point... Non, attendez, attendez. Ce on du est... Cerveau, il n'y a pas d'obstacle mais... d'aucune sorte. Alors, vous ah, levez l'obstacle du cerveau, mais on est sur l'obstacle de l'esthétique. Et, Et c'est précisément ce que disent justement ceux qui disent ah, non, non, écrivaine, certainement pas. Mais vous citez, c'est, n'est euh, pas moi qui le dis. Hein. Euh, cette phrase, elle est admirable de mauvaise foi, mais la mauvaise foi quand elle est justement portée par l'esthétique, qu'est-ce que c'est bon. Jules Renard, dont vous mmh. connaissez mon amour immodéré, oui, j'en parle aussi. souvent de l'émission, mais qui était sans doute l'homme le, euh, le, le moins convaincu qui soit. Enfin, c'est tellement beau. Mmh. Les femmes cherchent un féminin à hauteur. Mmh. Il y a bas bleu, c'est joli, ça dit tout. Ah, à moins qu'elle n'ait mieux plagière ou écrivaine. La rime n'aurait rien d'excessif. Ça, C'est Jules Renard, euh, 1890. On est Marie Treps, précisément sur cette question de l'oreille. Que, que répondre à celles et à ceux, à ceux surtout qui disent non, écrivaine, c'est oui, vilain, ah, bah, vilain à l'oreille. C'est peut-être vilain à l'oreille, mais on, sait, on peut s'habituer aussi. Mais je crois qu'avoir un réflexe comme ça, c'est pas. Oui, moi, la première fois que j'ai entendu écrivaine, je me suis dit, on n'entend pas vin dans écrivain, mais comme là, c'est nouveau, tout d'un coup, on entend veine, alors qu'on l'entendait plus par vin. Et ça permet de dire qu'on entend de nouveau dans dans, dans écrivain, mais et c'est vrai que c'est euh, c'est la société et toujours c'est pour ça que ça, ça va s'imposer en fait parce que c'est une pression de la société c'est pas des linguistes qui ont dit qu'il ah là, là il faut absolument que on commence à féminiser mmh, la langue mmh. c'est la pression de la société qui le fait donc elle va avoir raison. Mais par exemple vous vous mais êtes en écrivaine. en même temps hein, il y a des Êtes-vous êtes écrivaine ou êtes-vous autrice euh, Moi. Euh, je ne sais pas si je suis l'un ou l'autre mais je serai plutôt auteur ou autrice si vous voulez mais c'est un peu mocheton quand même. Ah bah, bah, euh, si autrice est mocheton, pourquoi écrivait nous et vous bon, Quand on tion, pose la vrai. question Marie un journaliste. Autrice je... 50 fois. Voilà. Oui, à oui. la 51e. Ah bah, voilà. Le mot sera tout à fait. Oui, comme prendre un mauvais médicament, si vous voulez. <rire> Mais... <rire> <rire> alors, attendez, non, sur ce plateau, il n'y a pas très longtemps, Frédéric Vitch, fiche, qui représente l'Académie française. Je ne me ferais pas couper en morceaux. Euh, pour, euh, voilà, si je dois dire, euh, si c'est le mot qui s'impose, c'est le mot qui s'imposera. Et, et alors, auteur, il y a auteur. Ce qui ne s'imposera jamais, c'est l'écriture inclusive. Alors, attendez, et attendez, auteur. on va y venir. Voilà, euh, restons sur la féminisation, si vous le voulez bien. Bon. Euh, auteur, Frédéric Vitou, Académie française, c'est vrai que les pas n'est pas là euh, ce soir, mais enfin bon, il euh, y a, en revanche... Euh, un monsieur très, très intéressant, vitou, bon romancier par ailleurs, qui dit, mais attendez, pourquoi pas auteur, une auteur, oui, bah oui. mais sans le « e ». Après tout, on dit bien une odeur, on dit bien oui. la douleur, la mm -hmm. douceur. Je pense qu'auteur plus... venait plus facilement, d'autant que, même si on écrit, on n'est pas obligé de le prononcer, une auteur, vous n'allez pas dire une auteur. Ça changerait. Ce qui n'est pas normal, c'est de dire un auteur pour une femme. C'est nier sa féminité. Wow. Par ailleurs, on peut dire Autrice qui a fonctionné régulièrement jusqu'à jusqu'au XVIIe siècle, on peut dire une auteure ah oui. sans e. Autrice, ou bien, alors vous le rappelez, Autrice, autrice était utilisée à l'époque. aussi. Dès qu'on regarde l'histoire de la langue, on voit que l'ancienne langue, comme on dit, féminisait régulièrement, tous ces mots sont attestés. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être un peu libéral avec les variantes dans le temps et dans l'espace. L'important, c'est une parce oui. que c'est une femme oui. mais auteur sans e moi je, je dis une auteur et j'écris avec e, car l'e, le ne s'entend pas oui. ce qui est très bien une proviseur une procureure, oui. une autrice Certaines encore à cause de contexte. nos ancêtres allemands, ça qui ne s'entend pas le muet. Oui. Ils nous sauve la vie encore les Allemands là. Voilà. Ils ne pas le. C'est grâce aux, aux Germains qu'on oui. prononce pas, sauf à Marseille. L'important c'est de féminiser. On ne peut pas accepter cette théorie des puristes, selon laquelle le masculin l'emporte, le masculin est neutre, etc. Et, Est-ce est que faux. ça veut dire, Bernard Cerchilini, que je ne pourrais non. plus euh, faire de l'humour Alors vous allez me dire qu'il n'est pas forcément très fin, mais enfin c'est pas le mien, c'est celui de M. Littré oui. qui disait. Définition de l'homme, vous la connaissez toutes et tous. Homme. De point. Terme générique embrassant la femme. <laughs> Bien sûr que si. Il a remercié sa femme aussi. Un, un des chapitre s'appelle l'homme embrasse-t-il la femme Mais oui, c'est la, la, la question des, des oui. droits de l'homme. Il y a du générique, mais ce qu'il faut, encore une fois, l'hygiène de la langue. Il faut savoir que on a imposé le masculin à une époque où la femme n'avait aucun statut. Donc, il faut revenir là-dessus. Pour oui. le reste, on a 36 façons de faire. Il faut aussi assouplir la norme qui est beaucoup trop corsetée Donc, on en on ne fiche de plus. France. Donc, en France, C'est de figer. Oui, première leçon, oui. Euh, on revient à ce que vous disiez, vouloir savoir, la curiosité, une forme d'attention au monde. Et le caractère entoure. génératif de, de notre cerveau. Parce que si vous regardez, à nouveau, je reviens à la petite enfance, et les enfants vont spontanément extraire les règles de leur langue et créer des néologismes, par exemple. Beaucoup d'enfants vont dire, euh, je, je l'ai prendu. Au lieu de je l'ai pris », parce qu'il y a rendu. Je pas voilà. il, a il, il a pleu vu. Ils sont faits. Avec le, voilà. Donc, il il a a Heureusement depuis et... quatre mois, il ne pleut plus. <laughs> donc, ça pourrait moi, tout à je fait. Exister. La CHS, il ne fait plus de faute d'accord. <laughs> il ne dit, dit plus qu'il pleut vu. Il fait beau. et là, Il va le dire. Ce qui est important de comprendre dans ces exemples, c'est qu'il y a une vraie rationalité. Notre mmh. cerveau, là encore, euh, extrait des règles. Hein, mmh. Et ces mots pourraient tout à fait exister. Vraiment, il y a... Ce qui oui, m'a frappé dans votre livre, c'est qu'il y a quand même une part d'idéologie, de mauvaise foi, et parfois vraiment d'arguments ignobles pour préserver une sorte de langue pure. Euh, est qui, autre, est, qui est un mythe. Je ne sais plus quel est l'exemple, je ne pas si on peut le citer, peut-être oui, est, un est peu peut peut, euh, L'idée que le féminin de recteur, ça pourrait être rectal, enfin, vraiment, ouais. on arrive à des arguments d'une bassesse. Ne citons pas, pas l'auteur est... de cette remarque. Euh, bah, on peut... Mm -hmm. Marc non. Fumaroli, et qui par ailleurs est un, un excellent, grand savant, un très -à -dire grand. C'est-à-dire que la féminisation peut, peut faire perdre raison à d'éminents savants. Dans mon livre, je mm -hmm. cite... David Strauss, Georges mmh. Dubézil, Marc Murly, d'immenses savants, mmh. mais qui refusent la parité dans la langue. Comment l'expliquez-vous On va en parler, mais aussi, Marie Treps, tout à l'heure, dans votre. Euh, quand vous faites ce dictionnaire des injures racistes, mmh. ce qui est frappant, c'est mmh. qu'il y a les écrivains qui, parfois, s'en emparent pour les moquer, et puis ceux qui s'en emparent, et de manière au premier degré. Comment peut-on expliquer que les intelligences aussi vives, Stanislas mmh. de la, les gens dont le cerveau, a priori, on dit, est très constitué, puissent bloquer autant mmh. Qu'est-ce qui se passe je ne peux pas répondre à ça. Les idéologies, ça existe. Et ce que je peux dire, c'est que ça pèse lourd. Il y a ça. une zone de l'idéologie euh, dans le cerveau. Non, je pense que simplement, évidemment, euh, comme on l'a dit, le cerveau est de moins en moins plastique. Il, il accepte de moins en moins cette nouveauté qui est la caractéristique des, quand même des cerveaux jeunes. On le sait, on parle beaucoup de la langue ce soir, mais on pourrait parler de la langue mathématique. Beaucoup ouais. des créations de la langue mathématique sont extraordinaires hein. sont le fait de jeunes mathématiciens qui ont cette période extraordinaire d'inventivité on a aussi des contre-exemples. – Vous avez dans votre livre des Mais, exemples absolument euh, incroyables, mathématicien aveugle, mathématicien oui. qui était cancre voilà. presque, Alors, dans ses jeunes années. – Oui, ou Grotendieck qui, ouais. euh, qui ouais. est en camp et qui a une éducation finalement extrêmement difficile, qui à l'âge de 11 ans, je cite l'exemple de Grotendick dans « Récolte et semaï, il explique en toute honnêteté, jusqu'à l'âge de 11 ans, il croyait que pi était égal à 3. Qui est une erreur massive. Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le nombre pi, c'est 3,14, 15, 92. C'est un nombre qui a une infinité de décimales. Et donc, pour un mathématicien de 11 ans, c'est mal parti. Mais voilà, le cerveau à cet âge-là est capable de créer avec une inventivité extraordinaire. Et je pense qu'on doit le laisser créer, ce qu'ont su faire nos amis québécois en particulier, laisser la langue évoluer. Et ce qui veut dire aussi la laisser se simplifier, parce qu'on a quand même créé avec les académies un système d'une rigidité extraordinaire, on se dispute pour un accent circonflexe mmh, hein, mmh. et on oublie que France derrière. Dispute, on pas il y a, discuter, euh, quand même, vous n'allez pas nous le retirer, l'accent circulaire. Oui. Moi, je ne touche à rien, mais je constate quand même que nous avons un système euh, scolaire français qui a d'énormes difficultés avec l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, oui. et que nous avons, il faut quand même le dire, euh, les inégalités scolaires parmi les plus importantes euh, du monde développé. Hein. Nous avons énormément de mal à, à intégrer des enfants qui pourraient très bien apprendre si la langue était d'un petit peu plus simple. Est-ce que si nous féminisions, pardonnez-moi parce que ça c'est vraiment très important. Si, si on acceptait la féminisation, est-ce que nous pourrions lutter contre cette tendance qui fait qu'aujourd'hui, et vous le citez dans votre livre, la France arrive quasiment dans les derniers rangs en Europe pour les enfants de 15-17 ans en mathématiques comme en, en possession de sa propre langue. C'est une façon de rendre la, la langue plus rigoureuse. Je crois qu'on doit enseigner dans la, dans, à l'école ce qui est rigoureux dans la langue. Ça ne manque pas. La morphologie, la syntaxe, les pluriels. Et laisser de côté tout ce qui est aberrant. Et ça ne manque pas non plus dans l'orthographe et dans la féminisation. Il faut montrer... À, à Il, y Il y a des choses aberrantes dans la féminisation. Pardon. Il y a des choses aberrantes aussi dans la féminisation. oui dans Mireille, la chanteuse, parlait des sapeuses pompières. Oh, <rire> écoutez, <laughs> cela ça, ça, ça fait rire. Oui. Mais morphologiquement, c'est impeccable. Ouais. Mais par exemple, attendez, je, je vais faire l'avocat du diable. Donc, si je vous suis, on féminise jusqu'où Par exemple, un témoin, ça devient une témoine bah, attendez, à Saint-Malo, il y a des Malouins et des Malouines. Et Malouines. Alors, essayez de dire témoin, répétons, on peut dire aussi tout simplement une témoin. J allais J allais dire. Dire. Il y a des mots épicènes. Qui... Pour aller à verte. Peut-être plusieurs, mais c'est la végétal, c'est vivant. Donc... Euh, il y a derrière, je... Je... il s'agit d'inscrire la parité, qui est normale, dans la langue. Mm. Alors, parfaitement reçu. Je ne veux pas substitués et ne sont pas sur ce plateau ce soir d'abord parce qu'il n'y a pas de livre qui correspond et je tiens à ce que ça reste une émission littéraire mais je n'ai pas demandé à l'Académie française gardienne des institutions de venir ni aux défenseurs de la langue figée un argument tout de même qui revient parfois sous la plume de ceci de cela pardon l'idée que l'usage n'a pas toujours raison que l'époque certes nous dise ce qu'il faut faire mais si l'époque a tort et si l'époque avait tort, et si l'usage avait tort. Même s'il a tort, ça, il n'a pas pour autant moins de chances de s'imposer. C'est l'usage. Depuis et... Vaugelas, ouais. l'usage est le grand maître. Et même monde depuis, même avec Malherbe, avant, même avec Malherbe, quoi. Ça a toujours été l'usage. La différence, c'est quel usage, quoi. Pour ouais. Malherbe, ça a été plutôt l'usage quotidien, très populaire, le plus voilà. celui qui, la loi du nombre, en et quelque pour sorte. Pour Vaugelas, c'était plutôt l'élite. Voilà. Et pour l'Académie française sur la féminisation, c'est l'usage du 19e siècle. L'Académie soutient que « Ambassadrice » signifie « épouse d'ambassadeur mmh. ». À l'époque, on ne nommait pas de femmes mmh, à la vrai. tête d'ambassade. Mais depuis qu'on en nomme, elles sont ambassadrices. Elles défendent donc un usage ancien. Nous défendons, nous, l'usage actuel, qui est l'usage de la francophonie, car la langue française est mondiale. C'est une identité mondiale, ce qui est important. Mmh. Le ministre est enceinte, évidemment, Barré. La ministre est enceinte. La grande querelle de la féminisation... Des noms, c'est aux éditions du Seuil, sous la signature donc de Bernard Cerchilini. Alors, justement, Marie Treps, euh, cet usage, l'usage dans tous les sens du terme, y compris parfois les pires. Voici un inventaire raisonné des mots déraisonnables, c'est-à-dire des insultes, les insultes racistes. D'où viennent-elles Pourquoi et comment ont-elles été fabriquées À quels événements de l'histoire euh, sont-elles liées L'histoire des insultes racistes raconte aussi euh, l'histoire de France et l'histoire de notre langue. Et euh, je crois qu'il faut accepter de plonger au cœur de cette logorée, euh, parfois malsaine, il faut le faire sans complaisance, mais avec curiosité, si on veut éviter qu'elle ne se répande. Euh, de quand date la plus vieille insulte raciste Je vais vous répondre à, un peu à côté. Le premier mot qui a été utilisé... Euh, qui a ramassé des connotations et des couleurs euh, euh, nauséabondes, oui, mmh. c'est le mot juif. Et euh, c'est lié à une idéologie dont on parlait tout à l'heure, à l'idéologie en fait, une cause idéologique. C'est-à-dire qu'au moment où, la, au 9e siècle, c'est le plus ancien dans la langue française aussi, euh, des mots dont je parle. Et la, la chrétienté s'est sentie menacée par les juifs. Et à ce moment-là, un évêque de Lyon, l'évêque de Lyon, Agobard, a pris des mesures pour les discréditer. Et euh, parmi ces mesures, il y en a une qui est très importante, euh, qui concerne la langue c'est qu'il fallait convaincre le public euh, chrétien, celui qui fréquentait les églises. Donc les sermons, à partir de ce moment-là, ne se sont plus faits. Euh, en latin, mais dans les langues mmh. comprises du peuple tudesque et par exemple d'autres langues, donc c'est lié à l'iodologie dès le départ. n'est pas toujours le cas. Il y a des mots pour reprendre aussi pour continuer sur, sur cette, ces mots là qui sont adressés aux juifs. Celui-là était très longtemps chargé de, de vilaines couleurs. Jusqu'à ce que, au moment de l'émancipation des juifs, là aussi c'est lié à, au changement politique, la révolution, Napoléon, on l'a remplacé, on l'a un peu évacué ce mot, on a choisi israélite à ce moment-là. Et puis les très vilains mots, il n'y en a pas beaucoup pour les juifs, mais il y en a qui sont terribles, Youtre et Youpin, ils sont arrivés euh, au 19e siècle, où lanti qui avait un fondement religieux, devient l'antisémitisme qui alors qu'il est social il est racial il va être euh, eugéniste pendant la dernière guerre les mots arrivent effectivement comme vous le disiez euh, au cours d'événements très précis où euh, ils sont entérinés parce qu'ils sont attachés à des courants idéologiques. Alors vous le montrez dans ce, dans ce livre qui est, un, qui est aussi un dictionnaire, et un dictionnaire des oui. citations, hein, j'insiste. Oui. Oui, vous oui. montrez oui. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent Doche, c'est qu'il y a une géopolitique finalement de la langue française et que les mots viennent des migrations, de la oui. peur de l'autre, euh, des grands chocs culturels oui. et économiques. Oui. Euh, on pourrait prendre quelques exemples de ces maudits mots, pour reprendre le titre que vous avez choisi pour votre, votre oui. livre. On repère Toujours dans l'insulte, dans l'insulte, le, le, les caractères physiques ou les caractères alimentaires de, oui. de, de l'autre. Pas toujours, mais ça c'est des procédés qui sont utilisés en argot aussi. Oui. Hein, c'est pas spécialement, et ça fait pas forcément les plus méchants, les plus les plus nauséabonds. Non, mais enfin ça donne, par exemple, mais, les bridés. Les bridés. Mais les, mais les caractères physiques pour ce qui est la nourriture. Euh, ça va un peu plus loin, les macaronis par exemple, euh, c'est ah. tout mon enfance, oui, et c'est non seulement la nourriture essentielle, enfin, favorite, disons, mais c'est surtout la nourriture des pauvres. C'est quand même les renvoyer à leur à leur euh, pauvreté par-dessus le marché. Oui. Bernard oui. Cerchidini, vous dites, tout mon enfant j'ai été traité de le macaronis. Macaroni. oui, bien oui. Sûr. avec troncation macar, oui, c'est comme ça. Dans son livre, Marie Treps, parlant justement des, des oui. insultes racistes euh, concernant les Italiens, euh, évoque un autre mot, ritale". Rital. Oui. Vous, vous dites, Marie Treps, qu'au départ, le mot est une injure, et puis que tout à coup, il devient presque sympathique, oui. Rital. Ce mot, bah, comment bah, le viviez-vous, vous, voilà. vous, vous voilà. Bernard Cerchidini Oui, c'est le contre-jeu, c'est-à-dire qu'on va se revendiquer, de même que la négritude bah, a été reprise par. Vous, vous dites, par... par exemple, je suis Rital Pardon Ça vous arrive de dire je suis Rital D'origine, oui, je suis un rital d'origine, bien sûr, mais pas un macaroni. Non, 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 <laughs> tout de même pas. Quelle est la différence dans l'injure raciste entre le macaroni et le rital ben, Ils ont pas la même origine déjà. <laughs> si vous voulez, ils beaucoup plus. Enfin, ils ont tous les deux été donnés spontanément. Mais macaroni pour des choses comme ça tangibles qu'on peut observer, et puis rital, on pouvait l'observer aussi, mais c'est plus abstrait. C'est R sur les wagons qui amenaient les, les Italiens mmh. destinés. Enfin réclamé par une France qui voulait, une, qui avait besoin de main-d'œuvre, on écrivait « R » comme réfugié, « Ital », abrégé d'Italien. C'est ah. de là que vient « Rital ». Et finalement, c'est comme, comme des mots qui sont, qui sont très racistes, mais qui sont aussi une apparence jolie, qui sont euphoniques, comme « bamboula ».« Ital », ce n'est pas un mot qui, qui fait sauter en l'air, ce n'est pas un mot très laid. Alors, les mots vivent, c'est ça qui est, ça qu il est il a été sous votre vie c'est-à-dire Kavana... qu'on s'aperçoit que le mot peut désigner quelque chose de repoussant et être assez agréable. Comment l'agréable, comment le beau Par exemple, petit bah, bamboula, par exemple. Ah, mais dites, bamboula, euh... c'est pas non, il désigne pas. Bamboula, c'est. J'aurais pu prendre l'exemple de Bougnoul ou de Bamboula. Il y a des mots que j'avais répertoriés quand j'ai écrit les mots voyageurs, c'est-à-dire. L'histoire de tous ces mots étrangers qui sont. Et puis que j'ai repris là, je n'avais pas fait attention. j'avais Et là, je me suis dit, tiens, il y a quand même des mots qui ont été prélevés et dont on a fait un bien mauvais usage. Le mot euh, bamboula, au désir. Alors, ça commence bien, l'histoire de bamboula et celle de Bougnoul aussi. On fait des voyages exploratoires on va savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans des endroits, sur les côtes africaines, pour ce qui le cas de Bougnoul ou, ou de Bamboula, où on va plus tard installer des comptoirs commerciaux, mais il n'y a pas encore de colonisation. Et dans ces voyages, il y a des savants. Il y a des gens qui notent la langue, qui notent les habitudes culturelles. Et les gens, euh, les savants qui accompagnent l'exploration des côtes d'Afrique, au niveau du, du Sénégal, rencontrent des gens qui parlent des, des langues locales. Et ils notent le mot euh, « kamomboulone qui désigne un tambour. Mmh. Très bien. Mmh, voilà, terme ethnographique. Et puis, euh, dans d'autres pays, on le relève aussi, on le transforme, on l'adapte à nos gosiers. Et puis ensuite, on rencontre vraiment des gens qui jouent ce tambour. On va les rencontrer parce qu'ils euh, ont été colonisés entre-temps, ils, euh, ils, vont, ils vont arriver en France. Et euh, on les voit dans les tranchées, par exemple. On les voit. Et on, on va euh, les voir faire la fête. Et le bamboula devient une fête bruyante, très désordonnée. Et quand le mot est pour la première fois, on le trouve dans un dictionnaire, un dictionnaire d'argot, celui des d'Esno, il est commenté faire la bamboula, se saouler comme un nègre. Alors, non seulement il a pris un sens péjoratif, on a ajouté le mot nègre qui sent et qui sentira toujours l'esclavage, il pose encore des, des problèmes aujourd'hui, il y a des stratégies d'évitement pour ne pas le prononcer. Euh, ce mot-là est devenu, euh, euh, voilà, après une conjuration péjorative, qu'il a un peu perdu aujourd'hui. Faire la bamboula, euh, c'est moins méchant. Mais c'est devenu aussi tout à fait anodin. Et ça, je trouve ça grave. Quand euh, Caroline Roux, en pleine affaire Théo, fait l'interview d'un syndicaliste policier, euh, qui, dit, qui parle des gens contre qui les, les policiers étaient intervenus et qui dit Mais euh, on les traite de bambou là, c'est pas bien méchant. La journaliste le contredit tout de suite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une banalisation oui. du racisme. Ce mot-là, euh, on a peut-être oublié ses mauvaises connotations, mais on l'emploie sans y penser de manière banale. Peut-être ce livre servira à remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Je l'espère, parce qu'effectivement, c'est pour lutter contre cette banalisation. Est-ce que les écrivains que vous citez, oui. ce qui me frappe, c'est que vous citez... Euh, les écrivains aussi bien d'hier que d'aujourd'hui, Ronsard et Lamartine ah oui, qui oui. font la guerre aux juifs, ouais, y a pas d'autre euh, mot euh, que euh... la littérature de, du 19e siècle, à dire oui. oui, ouais, que je mais, le mais aussi, bah. mais, mais aussi euh, cette littérature du 20e siècle, alors évidemment qui n'est pas du tout raciste, mais qui va remployer dans la langue, ça va euh, de Daniel Pénac. Non, euh, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'ai quand même, ils sont pas racistes. je vais terminer. les écrivains ne sont pas racistes, mais utilisent dans les bas Boudard, les gens comme Boudard. Oui même les gens comme Audiard, les gens comme ça ouais. qui connaissaient, c'était des gars qui, ils allaient dans les, ils allaient dans, ils étaient sur les limites, ils étaient sur les fortifs et donc ils entendaient tout cette langue. Oui, et ça c'est pour non. ça, c'est pour, pour le cas de, de la rue. Mais par exemple, quand vous avez André Malraux, si euh, je puis euh, me permettre, oui. <laughs> je cite des écrivains qui ont vécu la chose, des écrivains qui sont racistes aussi. En fait, quand j'ai décidé de, de faire ce livre et que j'avais fait des enquêtes d'un peu dans tous mmh. les sens, je me suis dit, il faut donner une forme. J'ai adopté la forme du dictionnaire pour deux raisons. D'abord, les lexicographes donnent des dates. Je connais bien la forme dictionnaire, pour avoir travaillé au trésor de la langue française pendant des années. Donne une date très précise. Et donner une date, ça a l'air euh, sans intérêt. il si, s'en a une, parce que tout de suite, on voit apparaître un paysage derrière. Est est ce qui se passe sous Charlemagne, oui. ce n'est pas ce qui va se passer sous Louis XIV. Bon, évidemment. Et puis ensuite, euh, je donne une définition, euh, comme font tous les dictionnaires, très neutre. Je ne pouvais évidemment pas me contenter de ça. Et ensuite, comment ne redonner vie à au la, à la, à côté très violent de ces choses-là et comment la raconter Et je me suis dit, illustrer. Je n'ai pas illustré avec des images, je faisais illustrer avec, avec des, des, des textes avez... et avec des écrivains de tout temps. que je, Attendez, Pourquoi... -moi. je Pourquoi... comprends comment oui. vous en êtes arrivé là. Diriez-vous que les écrivains, les romanciers notamment, oui. jouent un rôle, soit dans la banalisation des mots racistes, soit dans leur exportation également quand ils sont traduits ben les écrivains, oui, mais de toute façon les écrivains ils transmettent l'air du temps. Donc forcément, euh, si les temps sont racistes, si les temps sont la banalisation du racisme, ils les transmettent. Mais c'est comme s'ils faisaient une photographie de la société à ce moment-là. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai choisi des écrivains. Oh. À partir du, du, de l'époque moderne, évidemment, il y a les journaux aussi. Il y a les journaux racistes. Il y a les journaux catholiques qui peuvent aussi transmettre des opinions racistes. Il y a les écrivains qui sont franchement racistes. Je cite euh, le journal de Drummond, par exemple. Euh, je, je le cite en tant qu'écrivain. Je cite Bois, ah, oui, je cite voilà tout beaucoup. cela. Je cite les gens qui ont assisté euh, pendant la dernière guerre, euh, comme Simone de Beauvoir, qui, qui est épouvantée. Je cite Annie Ernaud, qui a des souvenirs d'enfance où elle entendait des mots comme ça. Elle ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais elle les cite elle-même. Pour, pour donner le paysage parce que pour qu'on comprenne ce qui se passe et je, je n'avais aucune raison de d'évacuer les écrivains racistes je l'ai fait en sachant qu'il y a énormément euh, bah, vous avez classé par par pays aussi hein, par euh, non, peuple par, euh, euh... par communauté stigmatisée on va dire voilà si vous préférez voilà. j'ai vu euh, les Allemands j'ai vu les Italiens les, vu les Arabes j'ai euh, pas vu les gens des Alpes les crétins des Alpes, des par Alpes. exemple. <laughs> il y a le crétin des Alpes chez vous. Enfin, je pense en 27. Enfin, comme... Il a raison, le capitaine Haddock quand il profère cette insulte suprême, crétin des Alpes. Le crétin des Alpes. Ah ouais. Il y avait effectivement un a effectivement ah euh, du je, je pensais au début intégrer, mais les... c'est pas vraiment du racisme. Ouais. Une espèce... Bon, les fouchtras les machins, les crétins des Alpes. Mais... Et les Caqueux. Pas... Il n'y a pas les Caqueux Je ne suis pas, pas occupé des Français. Entre eux. Ben, ce sera le deuxième volume. étaient terriblement stigmatisé. Maudit mot. La fabrique marge, des insultes racistes. Marie trep C'est aux éditions Tohu Bohu. Et les roues. On n'a pas parlé des roues. Alors, là, euh, juste pas avant pas de pas recevoir Stéphane propos, de Freitas, c'est vrai qu'on revient sur un mot de la langue française euh, que nous aimons tout particulièrement dans cette émission, la grande librairie. C'est bien sûr le mot la librairie. C'est donc pas un hasard. Mmh. Si chaque semaine nous allons du côté d'une librairie indépendante, c'est le deuxième mot. Isabelle Léger nous reçoit aujourd'hui. Euh, il y a trois mois, tout juste trois mois, elle a ouvert une librairie. Vous voyez que ça continue d'ouvrir, les librairies, c'est formidable. À Vitry-sur-Seine, ça s'appelle Les mots retrouvés. Et regardez bien, Inès de la mode saint pierre vous sert de guide. deux mois, j'ai ouvert ma librairie à Vitry-sur-Seine. C'était important qu'une ville de 90 000 habitants retrouve une librairie. Tout le monde doit pouvoir, tout le monde doit pouvoir trouver une librairie dans sa ville. C'est indispensable en fait. J'ai 33 ans, ça fait 10 ans que je suis libraire et l'idée m'a toujours trotté dans la tête d'ouvrir une librairie. Ça n'a pas été de la tarte, il a fallu faire des choses, plein de choses toute seule comme faire la peinture, poser le parquet. Je suis un véritable couteau suisse maintenant, je sais tout faire. C'est Esprit d'hiver et l'électrochoc se trouve à la dernière page du livre. Donc il faut patienter, mais on est récompensé. Dostoyevsky Trip, c'est l'histoire de jeunes gens euh, qui attendent leur euh, dealer, en fait, mais leur dealer de littérature, de Kundera, de Gogol. Il n'y a qu'un auteur qui n'ose pas euh, prendre, c'est dostoïevski La descente sera dure. Franchement j'ai honte. <laughs> C'est Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Mais bon, je vais pas lâcher, je vais le relire. Hein. Le livre de Gaël Josse, Une longue impatience. Dès les premiers mots, dès les premières pages, on est absorbé par le texte. C'est un garçon qui est maltraité par son beau-père. Quand on lit ce livre, on a, on a la gorge nouée du, du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Lily. Elle veut se sentir vivre. Elle va aller pêcher en Alaska. Et même si on lui dit qu'elle a pas sa place ici en tant que femme, elle va y aller quand même. Moi j'ai pas eu envie de le terminer ce livre-là. La lecture, la langue française, ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend. Nous sommes toujours en compagnie de Stanislas Dehaene, Laurent Deutsch, Marie Treps et Bernard Cerchilini. Et nous arrivons maintenant au terme de notre voyage, à l'éloquence avec vous, Stéphane de Freitas. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, merci de nous rejoindre. Alors, vous les avez entendus hein, tous parler, j'imagine que vous avez plein de choses à nous, à nous dire. Je rappelle, Stéphane de Freitas, que vous avez réalisé il y a deux ans un documentaire absolument formidable euh, à voix haute qui euh, m'a. Scotché, comme beaucoup, beaucoup de gens, euh, documentaire vu par un million de personnes euh, à la télévision sur France 2, puis ensuite sur Internet, qui est devenu ensuite un grand succès au cinéma, en salle. C'est assez rare pour qu'on le mentionne. Dans ce documentaire, Stéphane de Freitas, vous avez suivi la formation à l'éloquence de plusieurs jeunes à l'université de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Vous avez également euh, conçu, Stéphane de Freitas, les concours Eloquentia. Ce sont les concours qui forment les candidats à l'éloquence et qui sont encadrés. Alors, par des avocats, mais aussi par des artistes, euh, par des experts de la prise de parole, sous toutes ses formes. Il pourrait y avoir, je ne sais pas, moi, nos invités de ce soir, par exemple. Il y a aujourd'hui, je crois, plus d'une trentaine de ces concours éloquentia dans toute la France, et ça va du collège à l'université, hein, pour euh, oui. euh, proposer, comme ça, les concours d'éloquence. Vous publiez, aux éditions Le Robert, portez sa voix, véritable manifeste pédagogique pour la prise de parole. Euh, je vais vous poser une question simple. Une fois qu'on a appris à apprendre avec Stanislas Dehaene, une fois que je connais mon histoire de la langue française grâce à Laurent Deutsch, que je sais d'où viennent les mots racistes et que j'ai compris qu'il fallait féminiser, à quoi ça me sert l'éloquence Alors, je commencerai peut-être par la genèse du film. Du... Non, non, non. Du... S'il vous plaît, commencez par répondre à ma question. <laughs> Parce que là, vous êtes en train de faire quelque chose que vous faites. Vous dites exactement l'inverse dans votre livre. Vous êtes en train de faire... venir avec vos réponses et vous n'écoutez plus les questions. Non, Stéphane oui. Non, ce qui est fondamental, c'est que lorsqu'on n'a pas les mots pour mettre un mot sur la chose, le mot c'est un outil en fait. C'est ce qui permet de construire un raisonnement, de faire preuve de finesse, de subtilité, de sortir du concept grossier sous lequel on voit son monde. Quand on est dans le préjugé raciste, quand on dit que euh, je vais prendre un préjugé, mais les juifs euh, sont, sont avides d'argent, que, que les arabes sont des voleurs, c'est des concepts grossiers. Quand on a le mot... On peut construire un raisonnement qui permet la finesse, la subtilité et de pouvoir mettre un mot sur la chose, sur ce qu'on ressent et de voir le monde au plus juste. Et quand on arrive à se révéler au monde, c'est le monde qui sauve à nous. Donc c'est fondamental. C'est, à mon sens, un des piliers euh, du savoir-être. On se pose la question aujourd'hui énormément comment mettre le savoir-être au sein du système éducatif À mon sens, il y a un enjeu politique majeur à faire en sorte que les jeunes. Parce que l'école est forturé dans des sociétés métissées comme la société française, mmh. qui est un, un pays, quand on va à l'école, on a des jeunes gens issus d'Afrique, enfin originaires d'Afrique, qui sont soit arrivés sur le territoire français, soit sont nés sur le territoire français, mais ont des influences culturelles diverses, des religions différentes. Et on se retrouve dans une classe, là, tous ensemble, à devoir faire société ensemble, faire cette mini-société ensemble. Et dans la tradition scolaire française, celle peut-être un peu du hussard noir, l'enseignant, lui, peut parler, on peut prendre des notes. Mais quand on parle, c'était souvent, historiquement, pour réciter des poésies. L'oralité, c'était de réciter. Mais à quel moment on se réapproprie On est passif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein c'est une de On est dans la logique passive. Et le vocabulaire, vous vous dites, bah justement. Le vocabulaire joue un rôle absolument essentiel, effectivement, dans la différenciation des réseaux cérébraux. Et on sait qu'il y a d'énormes variations hein, euh, à travers euh, des milieux sociaux plus ou moins favorisés ou défavorisés. Et euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, un axe fondamental de développement du cerveau. On a de rares cas de personnes qui n'ont pas de langue du tout. Euh, parce que dans les premières années de la vie, alors, c'est des cas vraiment tout à fait extrêmes d'enfants qui sont, par exemple, mis au placard. Mais on a aussi le cas de ces orphelinats, par exemple, de, de Bucarest, dans lesquels les enfants étaient laissés à eux-mêmes avec très peu d'encadrement, donc très peu d'exposition à la langue. Et puis, d'autres exemples encore auxquels il faut penser, c'est le, le cas des enfants sourds, par exemple, euh, qui sont appareillés tardivement et euh, qui n'ont pas la chance d'avoir la langue des signes, qui est une langue à part entière. Et dans tous ces cas-là, eh il euh, y a quand même des euh, dommages, finalement, irréversibles dans le développement du cerveau. Le fait d'apprendre une langue, d'apprendre rapidement, de maîtriser un vocabulaire, vous avez tout à fait raison, se euh, traduit directement par le développement harmonieux de ces réseaux. Pour... Alors attendez, parce que, euh, imaginons la classe. J'attrouve très bien, moi, votre classe. Mm. Prenons euh, un enfant sourd. Mm. Prenons un enfant adopté tardivement. Prenons un enfant qui vient de Hongrie. Prenons un enfant qui vient d'Italie. Prenons un enfant euh, né en Afrique ou au Maghreb. Mettons tout le monde avec un enfant d'origine portugaise. Bah, Et fait, demandons à l'enfant, tiens, au petit portugais. De monter sur l'estrade et de me parler du théorème de Thalès. Qu'est-ce qui se passe <laughs> bah, C'est l'anecdote que, que, je, que je raconte dans le livre. Moi, j'ai changé de milieu social brutalement, notamment parce que je suis devenu sportif de haut niveau. J'ai quitté les quatre chemins au Bervilliers. Je me suis retrouvé Porte-de-Teuil, dans le 16e, dans un établissement scolaire où, dans ma classe, à moi, l'oralité était parfois un peu plus chaotique ou horizontale. On pouvait interagir, et on pouvait se découvrir beaucoup plus. Parce que quand il y a que le prof qui a le monopole de la parole, mmh. on ne peut pas dialoguer. On est derrière notre masque, on ne peut pas demander quelle est la vie l'un de l'autre, on ne peut pas confronter les idées reçues que nos parents nous inculquent, nos croyances. Et c'est là que c'est fondamental, on cherche à développer l'esprit critique. Mais dans une société métissée et à voix multiple, si on réapprend pas à dialoguer tous ensemble, à apporter nos influences, nos façons de voir le monde, et que l'école n'est pas ce lieu d'apprentissage, d'interaction, on peut certainement... Ça, ça portait beaucoup de choses mutuellement les uns les donc, autres, donc interagir. Mais interagir. Que, je voudrais que vous la racontiez cette anecdote, cette anecdote. Euh, parce que vous arrivez de votre banlieue, vous arrivez avec ce que vous appelez vous-même la chatch. Euh, on voit bien hein, que euh, vous savez parler. Euh, et le prof de maths vous dit, mais théorème de Thalès. Ouais. En fait, en fait euh, j'arrivais, euh, déjà j'étais dans cet établissement scolaire privé de la porte d'Auteuil, où j'arrivais avec mes, explications, mes, mes expressions un petit peu de mec de, de Tchécard, de, d'expressions en mode comme c'est et tout, bien chouette, ça va François ou quoi Tranquille. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et elle me, elle me demande d'aller réciter le théorème de Thalès, et je lui dis, euh, ouais, mais madame, c'est chaud aussi de réciter le théorème direct du tac tac comme ça. Et là, je sens que dans la classe, on n'était pas censé interagir avec l'enseignant. En fait, quand on doit, on prend la parole, c'est pour dire la réponse juste et pas sortir du cadre. Et à ce moment-là, j'ai. Peut-être pas non plus, si vous me permettez, Stéphane, avec ces mots-là, avec et ces, ces expressions-là. C'est ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est un mécanisme très lié. Qu'est-ce qui se passe quand, quand on manque de confiance en soi Un signe manifeste de, de la personne qui, qui, qui manque de confiance en soi, c'est qu'en fait, elle ne parle plus. Et à compter de cet événement où je me suis, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais je me suis fait afficher, j'ai plus osé m'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe On s'en mûre on n'ose plus donner son avis, son opinion, oui, parce qu'elle vous ferme. dit non mais comment ça c'est chaud, euh, voilà. voilà. Elle pousse d'ailleurs le ridicule jusqu'à ses retranchements en vous montrant que c'est pas comme ça qu'il faudrait s'exprimer. Est-ce que c'est de là que date votre prise de conscience qu'il va falloir peut-être abandonner un certain nombre d'expressions? De, que vous avez dans votre histoire personnelle et aller chercher dans une autre histoire les expressions qui font la force de la langue. Alors, moi, j'ai appris la langue française comme on apprend une langue étrangère, c'est-à-dire que j'achetais le, le monde, je surlignais des mots comme nonobstant, des expressions comme toutes chose étant égales par ailleurs. Je l'ai ouais. copié-collé dans, dans les dissertations et je, je singeais au début. Mais c'est la première étape. Mais, mais ce que je, je parle dans, dans la prise de parole éducative, dans l'ouvrage, c'est mmh. pas tant de réapprendre à parler la langue euh, classique française. C'est un, c'est un fait. C'est nécessaire. C'est de se dire la première étape, et ce qui est fondamental à mon sens de mettre dans les établissements scolaires, c'est de développer plutôt non pas l'éloquence au demeurant. L'éloquence, pour moi, c'est un effet, c'est une résultante mmh. quand une personne est alignée. Et peu importe. J'ai vu des bègues dans les formations éloquencières. On a vu des jeunes gens qui sont arrivés depuis trois ans en France, mais déjà de faire la première. Étape de réussir à sortir de soi, à dire son point de vue, son opinion, ça c'est ce mécanisme là avant de prendre la parole qu'on arrive à faire cette introspection, à structurer son propos et à le formuler, c'est une, une victoire énorme. Donc, l'éloquence, c'est avant tout prendre conscience de soi, dire euh, fondamentalement qui on est, ce qui nous révolte, ce qui nous anime, ce que nous voudrions pour plus tard, tout ça, exactement. C'est à dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éloquence comme l'art de convaincre avant d'être soi-même convaincu. Oui. Ça, pour moi, c'est du jeu, tout au plus de la comédie. Pour être éloquent, on me pose souvent la question comment être éloquent Enfin, nous, ce qu'on prône en tout cas dans nos, nos, nos pédagogies, c'est tout simplement d'être en congruence. C'est quand on est aligné que ça. Qu on a le dans le les tripes mot, hein le mot qui revient tout le temps la congruence. Il est chez vous aussi, Bernard sarkinini <laughs> Qu'est-ce que ça veut dire la congruence d'un mot Parce que je voudrais ouais. qu'on soit précis. La, la, la cohésion, la cohésion organique. C'est ça. C'est quand en fait on est dans un, un alignement entre ce qu'on ressent dans notre cœur ou dans nos tripes qu'on le conçoit bien, qu'on structure et qu'on arrive à mettre les mots dessus. Mais c'est justement à ce moment-là que les mots viennent naturellement et sonnent justes. Et peu importe si on s'exprime de manière châtiée ou pas, mmh. avec des mots anciens ou pas, mmh. dès lors qu'on est centré et aligné, on devient éloquent. Moi, j'ai vu, on, on enseigne dans les prisons et j'ai vu des jeunes gens qui étaient incapables au quotidien de s'exprimer normalement. Et comme j'ai vu des bègues en milieu scolaire, et lorsqu'en fait, ils arrivent à trouver leur alignement, à trouver ce travail d'introspection. À le formuler, il y a quelque chose de magique. Bien plus que parfois des showman, parce qu'aujourd'hui l'éloquence, qu'on voit notamment en politique, on n'utilise pas toujours le mot. Ça arrive. Attention, pas tomber dans la caricature. Mais on utilise les mots parfois comme un jeu pour oui. instrumentaliser. Et rare. Et la parole éloquente existe. Il y a des discours politiques quand ils sont alignés, quand ils correspondent aux, aux convictions, qui sont éloquents et qui frappent. Donc pour ouais, être éloquent, il ouais. ne faut pas être bon comédien, bon acteur. C'est <laughs> pas la même mais chose. Surtout, faut pas être un sophiste. C'est le sophiste ouais. de Platon. Ouais. C'est la personne qui, évidemment, se, se saoule de ses belles paroles et qui, finalement, s'écoutera avec la gueule de bois. S'écoute ouais, lui-même au lieu d'écouter l'autre. Voilà. Mais, mais qu'il ouais. est très habile. Il, il arrive à être un peu une espèce de virtuose, de funambule. Mais comme tu dis, il n'est pas, pas aligné avec ce qu'il ressent vraiment. Ça, en fait, ça s'apprend. le rhéteur au mauvais sens du terme. Voilà, celui que, que critique Platon -ce dans le fait, c'est que vous redonnez toute sa grandeur à la rhétorique, qu'on a souvent réduit aux figures de style, mais qui est aussi l'art de trouver les idées, de les organiser et de les produire d'argumenter en fonction de ce qu'on a à dire et en respectant l'autre. Vous faites de la rhétorique cette grande discipline au fond démocratique parce qu'on s'approprie la langue et on convainc de façon honnête et sérieuse. Oui, c'est ce qu'on essaye effectivement de pousser. Alors la rhétorique chez nous, c'est qu'une des cinq matières, mmh. pourquoi Parce que euh, nous, ce qu'on prône, c'est aussi un voyage personnel. C'est non seulement de réussir à prendre la parole soi-même, mmh. mais comment dans une salle de classe, au collège, au lycée, on commence les expérimentations maternelles, mais aussi au boulot, comment on arrive à créer des contextes bienveillants où la parole circule, où on arrive à s'écouter mutuellement à développer cette intelligence collective et à, finalement à apprendre à vivre ensemble. Ce qu'on essaye de prôner, c'est non seulement un travail classique sur structurer le propos, la rhétorique, mais aussi l'expression scénique, la, la maîtrise du corps, corps et, du, et, oui, et, et de la voix. Ouais. Parce que s'affirmer, c'est aussi se positionner, réussir à se positionner face aux autres. Et quand on est adolescent, qu'on a des complexes ou qu'on est plus jeune, c'est pas évident. Et donc vous y ajoutez la poésie dans, et le slam. Tout à fait. Je voudrais qu'on regarde, Stéphane, un extrait. De votre documentaire euh, à voix haute, c'est la prestation d'Eddie, un des participants. C'est la toute fin du film lors de la finale du concours de l'Université de Saint-Denis. Regardez et surtout écoutez en quelques semaines ce garçon qui s'exprimait bah, comme tout à l'heure Stéphane de Freitas, <laughs> est devenu quelqu'un qui s'exprime ainsi. Que l'on fait face à nos dernières ressources lorsque l'on n'a plus de souffle dans une course, j'invoque le meilleur. Lorsqu'il n'y a plus d'avenir, lorsque le pire est à venir, j'invoque le meilleur. Et si par chance, ce soir, honorable juré, comme meilleur orateur, vous me retenez, je pourrai alors aux quatre vents claironner, oui, pour moi, aujourd'hui, le meilleur c'est passé. Alors, en vers et en rime, oui. euh, comment obtient-on cela, il y a euh, la gestuelle, euh, ce qui est très surprenant, plus surprenant mais on est dans une émission littéraire, je voudrais qu'on insiste sur ce point, c'est l'usage de la poésie, mais l'usage de la on poésie et du slam. Qu'est-ce que le slam apporte à la poésie contemporaine Le rythme surtout. Allez, attendez, laissez répondre Stéphane. En, en réalité, on s'est rendu compte enfin quand on parle de pédagogie de porter sa voix, c'est ce que je dis, je dis aussi dans le livre que c'est pas le terme avec lequel je suis le plus équilibré mais comme on revient, ce thème revient souvent, on a dû le poser, parce qu'en fait, les jeunes eux-mêmes ont proposé que le slam soit en place. Pourquoi Parce que on, le programme est né en banlieue. Il est né en Seine-Saint-Denis, il s'est répandu ensuite dans une cinquantaine de collèges de, de la Seine-Saint-Denis. On s'est rendu compte que les jeunes, parfois, étaient plus à l'aise pour sortir de leur carapace par un procédé de déviation qui est passé par de la figure de style, de l'image. Mmh. Parfois, on s'exprime plus à l'aise avec des punchlines de rap et d'autres. Que de la rhétorique classique, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur. Et comme la première étape, et c'est la conviction, c'est de faire en sorte qu'on arrive à sortir de soi. C'est ça l'objectif. Et finalement, on s'est rendu compte que, au cours de la formation, en rhétorique, des aidants pou pouvaient devenir les aidés, et vice versa. Il y avait des jeunes qui étaient plus à l'aise. Dans le, slam, dans le slam qu'en voilà. ouais. rhétorique. Et les aidants deviennent aidés et vice-versa. Vous faites un petit peu de slam, Bernard Cerchidini, parce que je vous voyais tout à l'heure très très, très euh, attentif à la rhétorique classique, oui, mais, mais le slam, le vous rythme, en fait, C'est le rythme, c'est la prosodie, c'est-à-dire que c'est une forme de la poésie rythmée, régulière. Mm. Euh, la, la, le progrès de la poésie, ça a été le vers libre pendant des générations. Mm. Ce qui est intéressant, c'est ce retour à la poésie régulière vous slamez, de non la part des jeunes. Non, mais c'est essentiel. C'est quelque chose qui permet. On dit aujourd'hui, je suis pas linguiste, donc Bernard répondrait mieux que moi. Mais la langue française, on dit elle s'appauvrit. On parle avec de moins en moins de mots. Ça se rétrécit alors qu'on en a besoin justement pour exprimer un jugement nuancé, subtil, un peu plus approfondi, un peu plus argumenté. Mais ce qu'on perd dans le fond, parce que c'est vrai qu'on perd dans le fond, on s'exprime avec de moins en moins de mots. On le récupère dans la forme. On retrouve du relief. On retrouve de la densité, l'épaisseur. Dans le rap, il n'y a qu'à écouter les conversations aujourd'hui des jeunes. Ils s'expriment déjà avec plus de gestes. Ils s'expriment. Ils aussi, on entend la colère, on entend la malice, la la drague, la séduction, la langue française qui a un peu... Subit son côté atone pendant près pendant d'un pendant, pendant, pendant siècle, où elle était, elle était la langue finalement de l'ORTF, elle est parlée comme Patrick oui. pauvre d'Armor pour être intelligent, et bien là, ça retrouve du relief, y compris dans les, dans les campagnes. Les gens reprennent leur, leur campagne, leurs accents, on le voit encore très, très récemment, et, et ça fait bien la langue française qui, comme un accordéon, de temps en temps euh, se rétracte, de temps en temps s'étire, mais alors quand elle se rétracte, attention. ça pousse. Oui. Et c'est ce qu'on voit là, ce qu'on voit dans le concours. Le, ouais. le, 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 le jeune homme, il est magnifique. Il est magnifique parce et que. Bah, dans vous les pourriez prendre leur endroche dans les, dans les jurés. J'ai le compte. L'un ben voilà. euh, de vos formateurs, parce que vous, vous revenez donc Stéphane de Freitas d'en porter sa voix sur la manière euh, dont vous travaillez, euh, ce que vous proposez pour que chacun euh, prenne part euh, et devienne lui-même plus éloquent, sans jamais perdre de vue cette idée qui est euh, finalement quelle est ton inspiration personnelle. Ce que vous demandez à chacun, à chacun de vos lecteurs. L'un de vos formateurs dit ceci notre rôle est de les aider à réaliser leurs rêves, les jeunes, sans pour autant les laisser se fracasser sur leurs illusions. C'est extrêmement bien défini, mais comment faire Réaliser ses rêves sans se fracasser sur ses illusions. Ce sera le mot de la fin. Une des matières, c'est effectivement de se pousser à se questionner soi-même, de faire son, ce travail d'introspection pour formuler son rêve, et ensuite de re rentrer dans un tâtonnement un petit peu avec les autres qui nous posent des questions sur quel est notre projet, est-ce qu'il est, qu est réalisable, quel est ton timing, jusqu'au moment où ce travail collectif, où les autres en fait, deviennent une aide et développe en fait une forme de bienveillance, parce qu'on crée une dynamique où moi je t'aide, toi tu m'aides sur mon projet, et leur permettre de réussir à affiner leur vision de leur propre projet, peut-être se dire que ce n'était pas réalisable, ça l'était, si oui, comment, et que finalement on arrive non seulement au cours de la formation à trouver sa voix VOIX, mais aussi à oui. trouver sa voix VOIE. Voilà, c'est très bien dit. Merci beaucoup Stéphane de Freitas Porter sa voix, s'affirmer par la parole. Alors c'est à la fois, euh, j'allais dire, un un manuel avec beaucoup, beaucoup d'exercices. On n'a pas le temps de les faire ici, mais on aurait pu s'amuser à faire l'exercice du traducteur, par exemple, ou quelques autres, euh, qui sont des exercices physiques et des exercices intellectuels, des exercices très drôles, surtout. Je signale qu'il y a aussi une édition limitée où vous avez à la fois euh, le livre, Portez sa voix, de Stéphane Neufretas, et puis euh, le film, qui est un film vraiment qu'il faut voir, parce que vous voyez concrètement que ça fonctionne et en temps presque réel. Euh, C'est aux éditions Le Robert. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Je rappelle rapidement les titres de vos ouvrages. Ils sont tous, d'ailleurs, ces ouvrages à gagner pour vous qui nous regardez ce soir. Voilà, à, maintenant, vous vous branchez sur les réseaux sociaux. Une question va vous être posée, vous y répondez et vous repartez avec un exemplaire, par exemple, de Le, la ministre est enceinte, de Bernard Cerchidini, au seuil, mot de Marie Treps, euh, aux éditions Tohu Bohu, Apprendre de Stanislas Dehaene chez Odile Jacob, ou alors La folle aventure de la langue française romanesque de Laurent Deutsch aux éditions Michel Laffont, ou bien sûr Porter sa voix de Stéphane De Freitas. Euh, merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec, euh, on vous l'avait promis, cette émission autour de Robert Badinter, émission spéciale à l'occasion de la parution d'un livre très important. Euh, qui est une traversée du siècle euh, du Yiddishland à l'abolition de la peine de mort Robert Badinter qui sera euh, l'invité de la grande librairie mercredi prochain d'ici là je vous souhaite de très belles lectures à la semaine prochaine.